emozione. Salut tout le monde! Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que j'aurai assez fait de niveau pour battre Shadar. La dernière fois, il nous avait éclaté la tronche. Je m'étais même demandé si c'était genre un combat à ne pas gagner en fait. Bon, je vais faire du level up en vous attendant. Salut Ryu! Salut, j'aime le quick! Bah, du coup, un peu la crève, un peu fatiguée, mais on va essayer de le faire quand même. Donc, je disais qu'on allait faire quelques level up en attendant. Bah, pas beaucoup, hein, parce que déjà, c'est pas si mal que ça. Je suis monté jusqu'au 23, niveau 23 avec Falco. Quoi ça comme ça ? Non, Faco, pas Faco, pardon. J'ai acheté des choses pour tout le monde. J'espère vraiment que ça va passer cette fois. J'ai fini toutes mes quêtes, tous mes monstres. Donc ça c'est plutôt cool. Pardon. Et vous, comment ça va ? Ah, c'est sûr que c'est moins beau que vendredi soir. Hein. Ça faisait du bien de retourner en HD un peu vendredi. Et ça fait penser que la fibre, on aimerait bien l'avoir. Non mais le monstre il s'enfuit aussi. Bon bah on va essayer d'y aller direct. Hein. On va essayer d'aller direct vers Shadar. Hein. Ça va tranquillou. Bon ça c'est important. Parce que je suis pas sûr que ce sera le stream le plus long ce soir. Et on verra en fonction de l'état. Je croise les doigts, hein. J'essaie quand même de poutrer du monde sur la route. Hein. Bon, lui, il a envie de m'attaquer. Bon. Pourtant, il n'y a pas grand-chose dans l'équipe en face. Hein. Alors, j'ai pas cherché à faire des monstres par élément, comme j'aurais dû faire. Parce que je sais plus quel élément c'était, Shadar. Donc sans info c'est compliqué. Je me souviens plus. Lâche pas de topine toi. Ah là il souffre un peu plus déjà que la dernière fois. Bah, là on leur allonge. Par contre ils gâchent trop leur MP direct. Ils se jettent sur les monstres, ils leur envoient des trucs de magie, de machin. On va arriver à Shadar, il va nous marcher dessus. Oh, Kiki apprend le vent coupant, c'est-à-dire talent. Roule-boule ou lancer de cailloux. Ah, c'est de la tempête. Ok, il fait de la tornade lui. Ouf. Plus j'essaie de nourrir toutes les bestioles, comme ça ils sont peut-être meilleurs aussi. c'est mon espoir. C'est la dernière fois, effectivement, ils avaient marché dessus. Vous avez laissé aucune chance. Et oui, Ryu, la dernière fois, je suis morte 6 ou 7 fois dans le même après-midi. Parce qu'à mon avis, je devais aller dans une zone où j'étais pas censée aller.
En fait, je suis remontée à la première ville, mais par la mer. Et en fait, je croisais des monstres évolués. Pas les versions basses comme on a là, mais les versions évoluées. Version d'après, quoi. Donc, je pense qu'ils avaient fait comme ça pour bloquer la route, pour que je m'oblige à repasser par Bois Bolé. Enfin, à côté de ma meube, Bois Bolé et compagnie. Et en fait, j'ai pas fait comme ça. Donc, à la fin, je les ai esquivés, hein, parce que. C'était juste abusé, quoi. J'ai réussi à faire l'émir aux épices, là. Yeah, niveau 24, Faco. On y croit, on y croit pas trop. Tire venin. Bon, j'ai fait évoluer personne, je crois. J'ai vérifié quand même. Si, chat-dapan. Ouais, chat-dapan qui a évolué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toméo n'a pas bougé. Si, Gunter. You touch my tralala, il a pris un niveau. Bandito aussi, je crois, mais je suis pas sûr. Je sais plus si c'était en live ou hors live. À force, mon esprit s'égare. Est-ce qu'on va pouvoir toucher le nouveau continent? Si j'ai pas assez de level up, je fais du Sims. C'est la soirée qui se transforme. Ah, ce serait vraiment pas cool, hein. Ce serait vraiment pas cool que j'y arrive pas. Allez, tiens. Là, c'était mieux que la première fois. Parce que même la première fois, quand on est sorti de Port Bayou, ces bestioles-là nous ont suivis. Hein. Ils nous donnaient du fil à retordre. J'avoue, j'ai la crève, j'ai la migraine et tout. Non, pas la migraine, parce que migraine, j'ai eu cette chance-là de pas en avoir encore, mais... Bah, c'est que j'ai vraiment peur que ça passe pas, là. J'ai vraiment peur. Et plutôt que de vous imposer, genre, bah, 1h30 de level up, j'hésite, quoi. Je vais enregistrer ici. Désolé, écran bleu. Après, ça ne serait que partie revanche pour la suivante, quoi. Ça veut dire que... Pourtant, j'y ai passé du temps. Je l'ai refait en plusieurs fois cette semaine et tout. J'en ai refait deux sessions aujourd'hui. Je vais relaisser la vidéo avec Shadar. Ça te dérange pas, toi? Non. Je vais relaisser la vidéo avec Shadar et puis... on croise les doigts. Mince, je me mouchais. C'est Jabo, apparemment. Je sais pas si je dois prendre lui là. Est-ce que je suis capable? Donc déjà là il prépare quelque chose. Voilà. Non, j'avais ma défense. Nuage de sable, on sait jamais. Ah là j'ai défendu. Les autres non, mais moi j'ai défendu. Le nuage de sable ça a pas l'air de fonctionner. Ouh la blizzard, je l'ai pris. Je suis dans ma mouche. Ah. Oh, mais sérieusement? Je suis en train de faire du Shadar. Sérieusement là, ça nous éclate direct? Ça nous éclate direct quoi, enfin. Faut que je mette l'esquive. Et Faco il est déjà mort. Ça y est, je suis en panique. Ça y est, je suis en panique. Plume de Phoenix Falco. Et ensuite, pourtant lui a retiré bah, une toute petite partie. Une vraiment toute petite partie. Je vais prendre un objet aussi. Provision. Rosée des fées. C'est que c'est un peu gâché, mais bon. Sans à tout le monde, voilà quoi. Ce qui m'embête, c'est que claquer la rosée des fées maintenant, c'est vraiment pas l'idéal. Esquive. Ah, j'ai esquivé là. Normalement j'ai mis l'esquive pour le bizarre. Oméo il protège. Yes, ça c'est cool.
Ça c'est plutôt cool. J'ai pas de bibi, dorée là dans ces cas-là. Genre j'ai fait un super truc. Wouhou. Un gros truc là. Pourquoi? Je vais rester en soutien. Hein. Ça va être le plus simple. Je suis moins en danger. Pourquoi je me fais glacer régulièrement? C'est bizarre cette histoire. Qu'est-ce qu'il a... En fait, j'alterne Bombao, l'âme curative Bombao. Mais je suis obligé de rendre. Comme je peux pas garder Oméo tout le temps, hein. Je me mets en défense l'avant cruel. Ça, c'est cool. Et là, j'ai pas de bibi. Ah, j'ai passé une étape, je pense. Qu'est-ce que ceci? Oh là. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? On va arriver où? Allez, trop bien, j'adore. T'es mort, Oliver. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut Did. Wizbot, il est à la ramasse encore. Sacré Wizbot. Oliver. Nyeh. Myrta? Oliver, oh, j'ai si peur. On est arrivé. Tout le monde est là, mais où est Lena? Lena, elle n'est pas là. Mais de qui il parle? Enfin, de quoi il parle? Elle était en vie ou pas? Ah, tu es de retour enfin. Capitaine. Ah non, pardon, c'est capitaine. Eh bien, on dirait qu'il faut plus qu'un petit coup de vent pour te faire peur. Bon, assez larmoyé, capitaine. Vous croyez que le bateau est en état de reprendre la mer? J'ai bien peur que non. La tempête a sérieusement bigorné ma caravelle chérie. Même si on met tous les bouchées doubles, ça prendra bien une semaine avant qu'elle ne soit sur pied. Quoi? Autant dire une éternité. Zut, on est les aventuriers les plus malchanceux de l'univers. Mais si on est sur le bon continent, c'est bon. Lena. Tite, ne dis pas ça. Le fait qu'on soit sorti vivant nous rend plus chanceux que tous ceux qui ont affronté l'œil du cyclone avant nous. Il a raison, on a vraiment eu de la chance de survivre à ça. Je parie que c'est parce que Oliver était avec nous. Moi? Mais je n'ai rien fait. Peut-être que c'était Lena. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas pu vaincre Shadar ni sauver Roxane. Tu parles de choses qui me sont inconnues, mais ça ne te suffit pas d'être en vie. Il a raison, Oliver. Allez, relève la tête. Je vais essayer, merci. Oui, bah ça va, j'ai claqué une rosée d'effet pour rien, alors on se calme. Très bien, maintenant, capitaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? J'apprécie ton dévouement, jeune demoiselle, mais c'est un travail de vrai marin. Alors, c'est-à-dire qu'on est en vacances? Ça tombe bien, je voulais justement travailler mon bronzage. Ah, il est tout blanc. Pour changer. Hein, quelqu'un veut me suivre? Non, tu en parles, non, tu ne penses pas qu'il s'est perdu en mer quand même? Ah! Tiens, le voilà. Il est même pas en maillot de bain. Monsieur Lumi, est-ce que ça va? Hein, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Bien sûr que ça va, même que ça baigne. Tu t'es cogné à la tête quand on s'est échoué ou quoi? Tu m'as l'air un peu sonné. Mais de quoi tu parles, mon pote? Le bateau est réparé? Dis-moi qu'il est réparé. Allez, quittons ce vieux caillou stupide. Ah non, on est sur une île. Oups. Si bien qu'il est loin d'être réparé, allez, trouvons quelque chose à faire. Qui a envie d'aller explorer l'île? Hein, non, je veux dire, pourquoi on faudrait faire ça? C'est barbant ici, je parie qu'il n'y a personne.
que c'est très dangereux, voire périlleux. Et si on restait dans le coin pour admirer la vue, hein? Oh, comme c'est joli. Whoop, tip top. Ah, au fait, mes amis, nous allons bientôt être courts de vivre. Que diriez-vous de partir à la recherche de quelques pitances pour nous et nos compagnons? Bien sûr, capitaine, c'est le moindre des choses. Et ça part en straining sails. Parfait, allez, tout le monde, on y va. On va faire du ragoût. Non, les gars, oh les gars, attendez, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est dangereux. Vous allez être dévorés vivants. Écoute, Minus, j'ai pas une envie folle d'y aller non plus, mais on a pas trop le choix. Alors, ravale ta trouille et secoue tes gambettes, d'accord? Zut, flûte et rezut. Yaya Lumi, il nous sert à rien, c'est pas grave s'il vient pas. Par son incommensurable violence, le cœur de la tempête a brisé un seau de l'almanach du magicien. Ça va te fatiguer toi aussi? Un nouveau conte merveilleux, le garçon qui voulait être Dieu. Les contes sont sympas, hein. J'en ai lu un l'autre jour parce que j'étais obligée, j'avais une énigme à répondre. Viens Oliver, va que jeter un coup d'œil à cette île. Alors c'était Shadar, hein. Eh, on n'a pas réussi à le vaincre. Le battre, on n'avait aucune chance, il va falloir faire sacrément mieux la prochaine fois. Mais déjà, on a survécu. T'as fini à quelle heure? En fait, on va devoir employer une tactique générale. Une tactique générale? Ouais, une tactique générale est une bonne manière de modifier ta stratégie quand une occasion se présente ou quand tu es dans le pétrin pendant un combat. Appuie sur triangle pour lancer une attaque générale et sur carré pour passer à la défense générale. Mais voilà! Ouah, je crois que ça va bien nous servir, tu as plus un tour dans ton sac. Qu'est-ce que tu crois? Mon vieux est assez... Attends, qu'est-ce que tu crois? Mon vieux était assez strict comme professeur... Allons-y. Sans rire, les gars, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais voilà, ça c'est vachement intéressant de pouvoir défendre tout le monde d'un coup. Parce que chaque fois, je les voyais se prendre des coups pour rien, les autres. C'est tellement mieux comme ça. Défense générale, attaque générale. Ça va me changer la vie. Et tu t'es relevé à quelle heure? On va se faire attaquer, j'aurais dû enregistrer. Défense générale! C'est trop bien ça, défense générale, attaque générale. Attaque générale! Oh oui, putain, je me suis fait shooter. provision, je me suis fait shooter. Me dis pas que je vais devoir refaire Shadar, vu que j'ai pas enregistré. Hein? Cette grosse maline. Oh là 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 là. La fuite, la fuite! L'arme curative, vite! Bon, défense générale, parce que ça va pas du tout. Faut qu'on se ressaisisse. Ah, quoi que c'est pas si mal en fait. Ah, c'est bien ça. Ouais! Baston! Non, c'est vachement cool ça. Est-ce que je viens de voir Faco se battre avec ses poings? Ah, et t'as dormi 6 heures? Gâteau aux carottes. Gunther, you touch my tra-la-la. Je l'ai enregistré. Désolé pour l'écran bleu. Parce qu'on a passé Shadar. Non, Shadar c'est le fromage. Shadar. La boulette. Shadar. Chouette, on a trouvé une plante. Génial. Où il se barre lui? Faut qu'on trouve de la bouffe, c'est ça? C'est ça? Explorer l'île en attendant que le bateau soit réparé, ok. Pourquoi il s'enfuit? La musique est trop belle. Je m'en remets pas. Ah, il y a un mont là, bizarre. Eh bien. Oh là là, ça ne sera pas beau, bien sûr. Hein, qu'est-ce que... Tiens, si c'est pour mon petit... Si c'est pas mon petit Lumi, où t'étais encore à te balader sans même glisser un mot à ta vieille mère? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Monsieur Lumi, je pense qu'elle te parle. Pas possible, mon gars, je sais absolument pas qui c'est. C'est pas cruel, ça. D'ailleurs, Lumi, pourquoi t'es revenu? T'as trouvé cet humain que tu cherchais, celle qui est censée être une chouette sage, tu sais? Non, non, je ne l'ai pas encore trouvé, d'accord? T'as pas de me répondre, si t'étais moins paresseux, tu l'aurais déjà retrouvé. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Oh, bonjour, c'est qui tes petits copains là? Mais je sais même pas à qui on parle. Hein? Est-ce que vous voulez me parler, madame? Voilà, un bon petit garçon. Oh, mais regarde dans quel état je suis. Je viens de me réveiller, vous voyez? Pourquoi tu m'as pas dit qu'on est de la visite, mon petit Louis? Allez, mon petit Oli, on se remue un peu. Eh, t'as une carte, pas vrai? J'ai donc un œil au coin, en haut à droite. J'ai mis une marque pour toi, t'as vu? C'est là que je suis, alors viens me voir, tu vois? Je suis désolée, madame, mais je dois partir. Plus vite que ça, mon gars. Oui, d'accord, on va aller là où il y a les étoiles. J'aurais bien voulu aller là où ça brille plutôt. Là, là, voilà.
Non, je peux pas. Je peux faire un pont. Pont, pont, pont. Non, bah non, bah tant pis. J'irai pas là où ça brille. Oula. Ça alors, un village dans un endroit pareil. Regarde ça, comme elle est rigolote cette petite maison, c'est censé ressembler à une pieuvre. Bigre, j'ai deux pieds dedans maintenant. Hé, vise un peu ça mon gars. Quoi donc, tu vois pas que je suis occupé? Toi occupé, laisse-moi rire, regarde des humains. Hein, où ça? Mazette, t'as raison, des humains, cher Arnos. On est tombé où là? C'est la première fois que j'en vois, ils sont rudement bizarres, tu trouves pas? Moi qui me disais qu'un seul Loomis c'était trop, il y en a des dizaines. Eux aussi ce sont des fées. Bon sang, bonsoir, c'est seulement notre bon vieux Loomis. Ouais, t'as raison, Loomis mon pote, qu'est-ce que tu fais dans les parages, dis-moi? Ça va les gars? Ça fait un bout de temps? Notre bon vieux Loomis? Attends un peu, mais on est... Ouais, bon, ça va, oui, c'est là qu'on est, d'accord? Bienvenue à Bois Célian de la forêt du peuple fée, et la terre de mes pères. Bon, de mes mères en fait, mais bon. Quoi? C'est pas vrai. Mais c'est un casino ici en fait. C'est là où tu vois la patte Ghibli aussi. Ah, ça explique ton air louche de tout à l'heure. Bon, c'est pas tout ça, j'étais juste passé dire un petit bonjour. Maintenant que c'est fait, à plus les gus. Oh que non, tu peux pas passer un coup de vent comme ça, qu'est-ce qui te prend mon pote? Tu viens tout juste d'arriver, t'as même pas encore dit bonjour à mam. Ah c'est vrai ça, allez, suis-nous, on va t'y emmener. De toute façon, sur notre chemin, pas vrai les gars? Vous dérangez pas les copains sans rire, hein, c'est pas la peine. Hein. Et arrêtez ça tout de suite. Ah, mon petit Oli, à l'aide! Saperlotte, aidez-moi! Alors voilà pourquoi il avait l'air si bizarre. Ouais, j'ai presque de la compassion pour notre petit copain à la lanterne. Hein, qu'est-ce que vous voulez dire? De ce que je vois, on dirait que Loomis n'aime pas beaucoup rendre visite à sa mère. Hein, mais pourquoi ça? Une chose est sûre, on ne peut pas le laisser aux mains d'une bande de fées turbulentes. Allons l'en trouver. D'accord, on y va. Je ne manquerai l'occasion de voir le grand monarque seigneurial des bavards mal à l'aise devant sa mère pour tout l'heure du monde. Comme tu es méchant. Comme tu es méchant. Loomis s'est laissé emporter. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un hôtel, on a... des boutiques. On va faire le tour. Hein. On va peut-être pas parler à tout le monde. Mais... Déjà un petit dodo, ça fera pas de mal. Ah, elle est pas ouverte. Ok, super. C'est trop bizarre. Là. C'est ouvert ou c'est pas ouvert? Quête express. Rien en chasseur de primes. Rien à... Aucune prime à toucher. Et le panneau, ça doit être celui-là. Et aucune quête sur le panneau. Génial, super. Bon, on va aller à la boutique. Je garde toujours du bœuf sur moi au cas où. Pour une mission, je ne sais quoi. Ça c'est... Non, c'est... J'ai déjà fait ça il n'y a pas longtemps. Je vais acheter du café quand même. Oh, mais c'est cher! C'est super cher! Et puis une plume de phénix, parce que j'en ai plus qu'une. J'en ai gâché une là récemment. Parce que le but c'est quand même d'acheter des équipements, hein, c'est pas acheter des, de la bouffe. Acheter. Ça c'est bien. C'est cher. Oh là là. Oups. C'est excessif. Là c'est qu'une qu'il me faut. Voilà, ensuite là. Défense de Barval. Est-ce que je viens de pas lui acheter une arme à lui? Bah si, mais du coup il va faire avec ce qu'il a. Hein. Tant pis. Ok, 4 comme ça. Oh là là. C'est bien parce que je les kiffe, mes petites bestioles. Bon, au moins j'équipe pas les réservistes, c'est déjà ça. 2 comme ça. C'est bien le petit menu pour équiper les... Et 1 comme ça. Le menu est top pour équiper les bestioles. Bon, j'ai plus d'argent, ça y est. J'ai clairement plus d'argent. Je vois s'il n'y a pas des coffres par là. C'est quoi, c'est une pièce de théâtre? Ah non, il chante une chanson, c'est un karaoké? Ah voilà, je me disais aussi, il y a forcément un coffre quelque part.
Super, 100 florins, ça va rembourser tout ce que je viens de dépenser. Salut Niro, j'ai pour ton level up. C'était super cher. Mais bon, ça vaut la peine. Vu le niveau de difficulté du jeu, maintenant je garderai toujours mes équipes équipées à fond. この声もしかして。もう分かってんねんて。おかんしつこいわ。部屋かてほらあんた。あれや。あの子と一緒におったやろ。どないしたんあの子。ここまで出かかってんねん。出かかってんねんで。ほらあれあれ。どこまでやねん。もううっさいな。 C'est mignon, mais c'est gros. Mince alors, elle est gigantesque. Alors, c'est la maman de Lumi. En tout cas, on peut dire qu'elle fait une sacrée première impression. C'était une très gentille fille. Où est-ce qu'elle est, hein? Tu l'as sûrement abandonnée quelque part. C'est abominable quand je pense que tu es un de mes fils. Regarde-moi ton nez, mon garçon, tu devrais éteindre ce truc une fois de temps en temps, petit gaspillard, ça va te coûter une fortune. Je m'envoie pas de facture tous les mois que je sache, bon sang. Je t'ai dit mille fois, on la recherche, Roxane, moi et ce petit dont je t'ai parlé, tu m'écoutes jamais même. Ah oui, tu la cherches, mais c'est très gentil ça. La mamatriarche. C'est clair, tu te bouffes une montagne pleine tête. Et la voilà qui écoute tout d'un coup, tu fais exprès pour me mettre en rogne ou quoi, je vous jure. Oh oh, si c'est pas beau ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Dis-moi, t'as perdu un peu de poids, non? Tu veux bien me dire de quoi tu parles? J'ai pas changé d'un poil depuis la dernière fois, tu dis ça seulement pour m'énerver. Pas du tout, t'étais bien pupotelé, rien de surprenant, remarque. Tout ce que tu mangeais finissait sur tes hanches. T'étais ma petite boule de suie. Mais tu vas te taire à la fin? Oh, bonjour, c'est tes petits copains que je vois là? Hein? C'est toi, mon petit Oi? Eh bien, tu as mis le temps, dis donc. Ah, c'est vous les gentils petits qui voyagez avec mon Lumi, c'est ça? Voyons, voyons, dites-moi qui est celui qui a le cœur pauvre. Cœur pur, mam, pur, P-U-R. Sapristi, avec une mère comme toi, le seul pauvre ici, c'est Bibi. Ah, enchantée, madame, c'est vous la mère de Lumi? Tout à fait, mon trésor, je ne suis pas peu fière. N'est-ce pas qu'il est adorable? Oh, pendant que j'y pense, tu élèves bien des familles, mon chéri. Oui, mam, matriarche. J'ai deux ou trois bonbons pour eux, quelque part par ici. Voyons, voyons. Ah, voilà. Vous avez obtenu une perlette de soleil. Oh, bah, ça va, j'ai déjà ce qu'il fallait. En perlette. Oh, perlette de planète, c'est cool. Merci beaucoup, ça va vraiment faire plaisir à nos familiers. Avec plaisir, ma jolie. Oh, et pendant que vous êtes dans les parages, j'ai une faveur à vous demander. C'est vrai, qu'est-ce que c'est, madame? Je suis un tantinet embarrassé, mais ça vous gênerait beaucoup de jeter un œil à mes boyaux. Je crois pas, tu es un tantinet embarrassé. J'apprécierais que tu gardes tes commentaires pour toi, jeune fille. Je croyais t'avoir dit d'éteindre cette fichue lanterne. Je peux pas l'éteindre, que je te dis. Ça te regarde pas ce que je fais avec ma lanterne, je suis plus un mimini. Qu'est-ce que vous entendez par jeter un œil à vos boyaux? Juste vous riez qu'on entre à l'intérieur et qu'on cherche quelque chose. Il y a un truc bizarre qui se passe ici, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Ce que vous voyez, ils ne sortent pas. Hein? Les mimini, ils ne sortent pas, c'est moi qui leur donne naissance à tous. Vous voyez, je suis la mère de toutes les fées, bien sûr. Et maintenant, il y en a un bon paquet qui aurait dû sortir, déjà, mais rien, pas un bruit, j'en suis toute retournée. Je ne suis pas sûre de comprendre. Elle est constipée, la maman. Bon, je t'explique, c'est Mam ici présente qui élève tous les mimini. Les bébés fées, en somme, dans son ventre. Et une fois qu'ils sont assez grands, pouf, ils sortent. Mais c'est si chaud et moelleux là-dedans que parfois les petits trésors veulent y rester. J'en ai vu des trucs bizarres dans ma vie, mais ça c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Je sais, trésor, c'est plus que bizarre qu'ils ne sortent pas. C'est pas des mimini qu'ils parlent, Mam. Bon, le truc, c'est que pour entrer voir ce qui se passe avec les mimini, il va d'abord falloir faire un petit quelque chose. C'est ça, vous allez devoir me faire rigoler. Qu'est-ce que vous voulez dire? On peut entrer dans le ventre de Mam qu'en passant par sa bouche, qui est tellement grosse qu'il faut que Mam soit morte de rire pour arriver à la garder ouverte. Alors pourquoi tu as fait pareil, monsieur Lumi? Tu rigoles ou quoi? Ça fait des années que j'ai quitté la scène. J'ai des goûts très particuliers, tu vois, il me faut du nouveau contenu. Et son spectacle est presque aussi vieux que moi. Alors on peut rien faire, pas grave. De toute façon, on est arrivé sur l'île par accident, je crois bien qu'on va y aller, nous, hein? Certainement pas. Allez, Lumi, il faut faire quelque chose. Ça devient de plus en plus bizarre. T'as raison, je me fais de la bile à propos de ces mimini. Allons trouver quelqu'un qui pourra faire rigoler la vieille, ça vous dit? Mais comment faire? Je ne connais rien du monde de l'humour, moi.
Eh bien, il y a ce célèbre théâtre à Bois-Célian d'où les fées comédiennes se font les dents. Le cabaret dentaire, il s'appelle Web. Et vu que c'est Bibi qui a tout appris à ces gars, ils vont sûrement être plus que d'accord pour nous aider à remplir cette mission hilarante. Tu leur as appris quelque chose, il faut que je vois ça. Hein. C'est parti, allons trouver le cabaret dentaire. Merci, mes amours, même compte sur vous, bien sûr. Lumi est de retour. Chouette. On croit qu'elle va exploser à force. Cabaret dentaire, j'ai déjà repéré. Oh, un coffre. Tu vois, je l'avais pas vu. Du café, yeah. Ça va être des fous de café, là, à force de leur faire consommer. Oh, le fantôme. Spirit. Oliver, c'est toi, heureusement que tu es là. Qu'est-ce qui ne va pas, Mnemo? Je me suis embarqué clandestinement à bord d'un navire à Port-Maillot, mais quand je me suis réveillée, j'étais ici. Jamais je n'aurais imaginé une forêt remplie de ces petits hurluberlus. Depuis quand ça existe? Dis donc, espèce de petite effrontée, ça fait des siècles que Bois-Célian est le centre de la culture féerique. Seulement des siècles? Dans ce cas, ça n'existait pas à l'époque où j'ai voyagé. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Rien, ce n'est certes pas le lieu où je m'attendais à vous voir, mais cela ne va pas m'empêcher de vous soumettre à la prochaine énigme, d'accord? Tu es en train de devenir un magicien à ses doigts, Oliver. Cela signifie qu'un génie doit obéir. Un génie, tu veux dire alchimie? Bien sûr, j'en ai un. Bien, dans ce cas, ce sera très facile pour toi. Tu as vu les formules rassemblées par les magiciens au fur et à mesure des années dans la manette du magicien, n'est-ce pas? Durant mes voyages, il n'était pas rare que je me concocte moi-même un bon hamburger. Vraiment, moi aussi j'adore les hamburgers. Alors tu dois savoir quel est cet ingrédient particulier indispensable à tout hamburger, non? Tu sais de quoi je parle? C'est le seul ingrédient que l'on retrouve nécessairement dans tous les hamburgers. Dis-moi, quand tu auras trouvé la réponse. Bah, le pain. Je dirais pain. Parce que c'est tous les hamburgers pour ça. Désolé, c'est pas la bonne réponse. Ah. On va y avoir dans l'almanach. L'almanach. Dans les recettes d'alchimie. Là j'ai quoi, robe et tunique. Ça commence où? Est-ce qu'on a un glossaire? Cela en a épée et dague. Non. Attends, je vais tourner la page directement, ce sera plus simple. Épée, dague. Dague, marteau, lance, griffe, corde. On n'est pas dans la bouffe encore. Ça va être un nom spécial pour le pain. Donc, ménance, les équipements. Il n'y a pas la bouffe? Provision. Sandwich, pain blanc. Ah, faut que, peut-être que je mette pain blanc. Ah. Parce que burger ou poisson. Ah, c'est pain blanc que je dois mettre. Je vois que ça. Je vais dire pain blanc. Pain. Merci. Blanc. Même si je préfère le pain avec les petites tirades dessus. Mais... Quoi? C'est pas la bonne réponse? Un ingrédient frais dont nul hamburger ne saurait se passer. Bah, je vois que ça. Apparemment, c'est pas. Oups! Apparemment, ce n'est point ça, donc je vais chercher de la chimie. Glace, tourte, sundae, machin. Ah, ça dit pas comment on les produit? Ça dit juste on peut les trouver. Je croyais que j'avais de la chimie sur la bouffe également. Est-ce que raisin blanc, raisin machin? Ce serait quoi? Laitue craquante? Ah, il considère que dans tous les hamburgers, il y a de la laitue. Ah, faut le trouver, ça. Comment il fallait le trouver? T'as fait tous les aliments ou t'as trouvé, toi? Ah non, mais merci, j'apprécie.
J'aurais pas pensé à la laitue, franchement. Ouais, fallait trouver ça. C'est exact, le seul ingrédient de nul hamburger ne serait-ce passé. C'est une belle portion de laitue craquante. Mais je vois pas comment. À la manac, à quel endroit? McDino? Il parle de McDino? Des hamburgers, hein, on avait un endroit, ils en vendaient ici. McDino, ça s'appelait. J'adorais y passer un coup de vent pour manger un bon macragou. Ouais, ça a l'air bon, j'adorerais y goûter. Moi aussi, une seconde, je viens de me rappeler quelque chose. Qu'est-ce que c'est, vieux? Il y a une autre page de l'almanach du magicien que je voulais te donner, mais j'ai dû la perdre quelque part. C'était pour un petit sort marrant appelé Lévitation. Peut-être qu'une des fées l'a trouvé, enfin, si tu tombes dessus, elle est pour toi. Merci, mais cela signifie que je dois trouver quelque chose d'autre à t'offrir pour avoir répondu à ma question. Moi, je sais, après tout, c'était une question sur la chimie, tiens. Une nouvelle formule! C'est la recette du méga remède super spécial de l'enfant sage. Tu devrais le laisser, il peut tout guérir. Bon, je ne peux pas rester plus longtemps sur cette île de dingo, je passe à la ville suivante. Je vais peut-être sauter sur le dos d'une de ces grosses créatures marines et me faire transporter jusqu'au continent le plus proche. Le dernier sort, d'accord. A bientôt. Bah, c'est pour ça que j'essaye de le faire à chaque fois que je croise. Et donc, la salade, c'était comment? La laitue craquante, là? Je veux bien que tu me dises plus en détail, s'il te plaît. Bon, c'est-à-dire que j'ai une fée avec une page de... Avec une page de l'almanach, moi. Comment je trouve qui a ma page? Un burger au boisson. Déjà, je trouvais pas la plage avec les recettes de bouffe. Jusque-là, c'est un peu chaud. Ah, on a, y a du courage ici. Il va dire, il va vraiment goûter alors que ça a pas l'air très bon. La grande force de la bravoure. Donc ça c'est fait. Ensuite, comment je vais trouver celle qui a ma page? Ça peut être n'importe laquelle. Je tente de leur parler à toutes. Comment je peux faire? Comment faire pour trouver ma page? Je peux dormir maintenant? Non. Ah si. Ah bah voilà, c'est elle qui me la donne. Une nouvelle page derrière. Ou peut-être pas d'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit elle qui... Je suis pas sûre que ce soit la page du fantôme, ça. Sinon, c'était une page que je devais avoir de toute manière. Sauvegarde, écran bleu, désolé. Ça va mieux. Ensuite... Ensuite. Je peux toutes les faire une par une quand même. Niro, est-ce que tu penses que la page que j'ai récupérée à l'auberge, c'est la page que je cherchais? S'il te plaît. Là, il va, lui, je lui prends sa tempérance. Merci beaucoup. En fait, je vous avais pas dit, mais la motivation pour les lumières des épices, je l'ai récupérée en retournant à la première ville. Pouf. C'est plus tout ce passage, ouais, bah, normal. Ah,
J'ai vu un coffre. Zut, flûte et rezut, et un bit de plus. Hé, hey, c'est pas mes vieux potos Omar et Fred. Non, Omar et Fred. Ça boum, les gars. Loumi, comment tu vas? Dis donc, ça fait un bail. Laissez tomber la causette, espèce de flemmard. Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'avais pas envoyé Spin et Shadar, moi. Eh bien, en fait, on faisait simplement un petit saut à la maison, question de renflouer les caisses pour financer notre opération de espionnage, tu vois. On a trouvé comme des bêtes, mais tiens, l'autre jour, on a chopé un joli petit tuyau, ouais. Bon, ce qui se passe, tu vois, c'est que Shadar, eh ben, il a quoi, mon gars? Crache le morceau. Il a des grosses cordes sur la tête, ouais. Ça, je savais déjà, Andou, je l'ai vu en chair en os. Alors, une nouvelle que tu recevais quand tu étais en doudou, monsieur Louis, elle venait de... C'est bien ça, mon petit œil, mais fidèle au mari Fren. Étaient mes yeux et mes oreilles sur le terrain. Tu formes des petits nouveaux, hein? Ça va, les jeunes? Moi, c'est Omar, d'Omar et Fren. Mais t'as vu qu'ils sont un peu trop frais, et celui-là, il a une tête à voler une tétine de la bouche d'un bébé. Quoi, espèce de petit... Prends pas personnel, mon gars, il est comme ça, c'est tout. C'est pour ça qu'on l'appelle Fren, tu vois. Je préfère ça, un sourire idiot collé au visage, comme la vieille gourde qui me sert de partenaire. En tout cas, ravi de vous rencontrer, tout ça, tout ça. Ravi de vous rencontrer aussi. Ce sont les deux apprentis que tu disais avoir formés, Lumi. Et est-ce qu'ils peuvent nous aider à faire rire ta maman? Et comment qu'ils le peuvent? C'est la moindre des choses après avoir déserté la mission d'espionnage. Vous savez que Mam est remplie à craquer de mini-mi. Mimini, non? C'est vrai, mais c'est pas grave, ça. On n'était pas au courant, pas du tout. Mais attendez un peu, vous... Ça y est, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Louis? Hein, comment t'expliquer? On est là depuis un bon moment, déjà. Et aucun des deux n'a fait qu'une toute petite blague de rien du tout. C'est pire que je le croyais, mon gars. Ils ont l'humour brisé. Quoi? Comment? Ah, alors, c'est ce qui se passe, hein, je n'ose, ce qui nous arrivait aussi... T'avais que toi pour le voir, Lumi, un vrai délinx. Ouais. Attendez deux secondes, quelqu'un peut m'expliquer ce que ces barjots racontent? Bah ouais, le truc, tu vois, c'est que Cœur des Fées est fait de tous les différents genres comiques qu'on appelle les fragments d'humour. Est-ce que c'est comme les fragments de cœur dans le cœur des humains? C'est pas tout à fait la même chose, mais on peut le voir comme ça. Alors quand on perd un fragment d'humour, on a l'humour brisé, tu vois. Tu veux dire que c'est comme quand les humains ont le cœur brisé. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes là? Ça n'a absolument rien à voir. Ouais, bah ça a l'air kiff-kiff. Les gens au cœur brisé, ils deviennent seulement bizarres. C'est bien pire d'avoir l'humour brisé, on ne fait plus rire personne. N'est-ce pas horrible? Je ne suis pas sûre de comprendre. Moi aussi, ça veut dire qu'on est dans le pétrin parce qu'on doit faire rire ta mère. C'est bon? Faire rire, Mam? Rassure-moi, tu rigoles, on n'arriverait pas à faire rire un clown euphorique branché sur une bombe de gaz hilarant. Pas possible, désolé. Il a raison, tu sais, on a essayé d'augmenter la dose, mais ça l'a juste rendu malade. C'est bien triste. Au début, on pensait qu'il ricanait. Vous êtes les deux fées les plus inutiles que je connaisse. Mais bon, ça peut se comprendre, vu que vous avez l'humour brisé, on va vous aider. C'est vrai, tip-top, t'es un vrai héros, chef. Si on ne redevient pas drôle, fils, on va devoir se séparer. Imagine, après 17 ans. Omar et Fren, quoi, franchement. Quoi, se séparer? C'est sympa de m'en avoir parlé avant. Tu as raison, Lumi, il faut qu'on les aide, comme vous m'avez aidé, toi et Oliver. Impec, alors c'est décidé. Allons récupérer tous ces fragments d'humour et donnons à ces petits gars une bonne dose de rigolade, ça vous dit? Bien dit, mon pote, tu veux vraiment pas qu'on se sépare, hein? Mais pourquoi tu parles tout le temps de se séparer, Omar? Ça n'a jamais été dans nos plans. Bon, mon petit Oli, c'est l'heure de partir à la chasse aux fragments d'humour, mais t'as vu que 8 devrait suffire, qu'est-ce que tu en dis? Allez, on y va, on ne peut pas laisser se séparer. Combien de fois je vais le dire, on se sépare pas, brigue de bougre? C'est dur à dire, ça, bigre de bougre. Coffre! Normalement, je peux crocheter les bleus. Les violets, non, mais les bleus, oui. Bigre de bougre, un cheeseburger! Heureusement, ils sont notés. Eh, Mimini, t'as une... Non, machin. Comment je peux faire ça? Je fais comment pour choper... Comment je fais pour choper le... Les fragments d'humour? Qu'est-ce qu'il veut? Si vous pouvez faire pousser ces graines d'un coup, je parie que... Ah oui, d'accord, ok. Je n'ai pas lu. Un moyen de faire pousser, bah oui, bah... Natura... Croissance rapide. Je sais plus. Ah, on doit faire des petites missions pour tout le monde, ok. Non, d'une fée, vise-moi ça, mon pote. Elles ont décollé d'un coup, j'en reviens pas. Voilà. Un fragment d'humour. Ouais, je vous passe quand même les... toutes les popotes. Au suivant. Qu'est-ce qu'il a, lui? Salut, salut! On va demander quelque chose vite fait. Il n'arrive pas à ouvrir un satané couvercle. T'aurais pas un sort pour ouvrir ce pot à la place de notre ami? Crochetage? Ouais, crochetage. Pour ouvrir un pot.
Oui, c'est ouvert, un grand merci, blablabla. Ça, c'est fait. Ensuite. Le grand tour de même. On peut discuter ? Je viens de casser cette jarre géante. Ah ben, on peut réparer, nous. Comment on vient dans le temps gur de jouvence ? Oh, you, c'est réparé, c'est pas chouette. Merci pour le fragment. Ensuite. Où est-ce que ça brille ? Salut, c'est ouvert ? Qui c'est, Osaga ? C'est ouvert, on s'ennuie, machin, machin. C'est quelque chose de bon à manger pour moi. Je vais faire gastro... gastronomagique. Hein, c'est quoi ça ? Oh, ça précise, c'est un régal, là. Merci pour le fragment. Ensuite ici. Salut, comment on va ? Bla bla bla. Elle a froid. On va lui mettre un coup de boule de feu. Je sais pas si elle va trop apprécier, mais apparemment. Miaou, je suis en feu. Ouais, c'est bon. Il y a un oiseau. Ah oui, j'ai un truc pour parler aux animaux maintenant. C'est quoi ? Bah c'est Naturalingua. Okay, mais comment j'atterris dans ce trou à gnome ? Mais qui est-ce que tu traites de gnome, espèce d'emplumé ? Ah, tu sais faire peur aux mouettes, toi. Comment te fait-il que tu me comprennes ? Bah peu importe, je suis juste content de pouvoir crier avec quelqu'un. Tiens, prends ça, je ne fais pas les cadeaux à moitié. Ah mais il est là, le sort lévitation ! Merci, de rien, j'espère que ça me mettra d'humeur rieuse. C'est une page de l'almanach du magicien pour un sort appelé lévitation. Pourquoi une mouette transporterait un sort permettant de flotter ? C'est évident, non ? Elle aime les lectures légères. Pouette pouette ! Oh oh. Donc c'était ça, je crois, la page de... que devait nous filer le spirit. Lui, il veut que je lui découpe les cornes ou quoi ? J'en sais rien, moi, ça. Lévitation. Ah oui, pour que ce corps ne soit main lourde. Ah bah, ok, d'accord, super. C'est précis, j'ai l'impression qu'on m'intéresse un poids des épaules, des coms, on dirait des plumes, maintenant. Bien joué, Louis. Alors, ce qui est étrange, c'est que je viens juste d'apprendre lévitation et je l'utilise de suite. Donc, c'était peut-être pas à la page que l'esprit me filait. Ah, le doute, je ne sais point... Non, je crois que je suis partie au mauvais côté. Ah si, c'est bon. Et après, ce sera la boutique d'équipement. Bah, c'est toujours en forme, hein. Le sol ne va pas se balayer tout seul. Bah si, en fait, parce que je vais faire balai magique. Sapristi, visez-moi ça. Lumi, il a dit, viens voir papa. Et le petit dernier, je crois. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'ai dit quoi ? Pourquoi ? L'artisanat traditionnel m'a ouvert un petit feu ? Je sais pas, moi. Bah, je veux bien qu'il me répète. Il a besoin que la pierre qu'il utilise pour aplatir le fur soit bicromant plus lourde. Plus lourde ? Croissance rapide. Lampe magique, non. Marionnettiste. Comment rendre les choses plus lourdes? Est-ce que ça va être dans les gros sorts? Lest! Pourquoi j'ai un truc lest? J'ai même pas vu que j'avais le sort lest. Je connais pas encore très bien tous mes sorts. Oh, c'est lourd comme tout maintenant. Bien. Tip top, on a réussi à rassembler au total 8 fragments d'humour. Apportons cette trousse de secours à Omar et Fren et remettons des éclats de rire dans leur vie tout honnête. Ils sont sans doute encore en train de traîner près du cabaret dentaire. Retournons là-bas. Dac, tu parles de la grande scène en plein air, bien sûr, vas-y. Et j'espère vraiment avoir récupéré la page du fantôme.
J'irai voir peut-être en celui là-dessus. Je suis pas sûr du tout. Attends une seconde, Lumi, c'est les fragments d'humour que tu as là. Oui. Ça roule, les gars. On a récupéré les fragments d'humour pour vous. Chouette, hein. Bien joué, chef. T'es une vraie légende, pour sûr. T'es vraiment sérieux, rapport à faire rire, je veux dire fichtre. T'es pas plus difficile comme défi. T'inquiète, mon pote, tout va bien se passer. Bon, allez, les gars, préparez-vous, c'est l'heure du goûter. Désolé, je me mouchais. Saperlotte ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je me sens tout bizarre, là. C'est vrai, j'ai l'impression de m'être réveillée après un long sommeil. Je me sens tip-top, ouais. C'est extraordinaire. Enfin, je crois, ils n'ont pas l'air si différents. Ok, oui, on est différents. La muse du rire est de retour. On va lui faire sa fête, ça, oui. Ça risque d'être drôle. Hein. T'as vu, c'est extra, non ? Ça, c'est le pouvoir des fragments d'humour, mon gars. Miraculeux, je te dis. Je me sens tellement drôle que je pourrais faire rire un mur de briques. Allez, on y va. Mam, n'a qu'à mieux se tenir. Et oh, attends, il faut qu'on répète d'abord, tu penses pas ? C'est pas que tu brûles les étapes, tu calcines carrément lance-flamme. D'accord, vous devriez répéter. On reviendra quand vous serez prêt. Et bah dis donc, qu'est-ce que ça va donner? Vous êtes prêts à voir Mam se tenir les côtes? Bah oui, en fait. La scène est prête, les projecteurs allumés, on l'a fait se tordre, vous entrez sans tortiller, Dak? Oui, tout comme il a dit, allons-y, Dak. いやいやいや、ほんまね、夢みたいでさな、これ。あ、夢といえばね、俺ね、実はね、ずっと夢あってな。何よ、おい、唐突やな。あのね、将来武器屋の親父になんのが夢やね、これ。ま、今更将来言うても、あれやけど、まあまあまあ、ええんちゃうか。ほんま。うん。ほなね、ちょっと練習させてえな。練習。ほな、俺武器屋の親父やるから。 お前リストラにあって人生諦めたアメンボやって。できるかお前、なんか副立つやお前。人生言うてんのにアメンボってなんやねん。わけわからへんがな。何やったらええねん。アメンボやって。できへん言うてんの。いいならこのままで。そのままいややわ。いや、ええがな。アメンボやったらお前大体いけるはん決まってくるやろ。アメンボもっとスラーっとしてるで。スラーっとしてる。俺らはお前生まれた時からこの形しとるがな。お前 だから、ほんなら行くから俺がお客さんとして武器屋に。なるお前親父やったらええがな。わかったわかった。行くで。どんどん。すいません、ガチャ。どんどん、ガチャ。ここどこやねん、お前。なんでなんか中身ないやないか。おっさんやから。おっさんやないか、武器屋の親父せえや。武器屋の親父。どんどん、ガチャ。すいません。はい。ちょっといろいろ武器見せてほしいんですけど。ああ、それやったら隣やで。ややこしな。親父や。そんなとこ間違えんすよ。親父やってんねん、俺。違うね、武器屋のや。 お前が言いたんやろ。やってるよ。いや、お前が言ってる親父や。親父。わかった。ただの親父ちゃうな。そうや。ごめんごめん。武器屋の親父やで。どんどんガチャ。すいません。ちょっと武器見せてほしいんですけど。インフォトリペレで。どの武器ですか。いや、どの武器言われてもね、ちょっとなんか使いやすいのとか強そうなんとかそんな武器。私もね、正直わからないのです。いや、正直わからないって言われる。すいません。え？ 不器用なもんで。やかましわ。不器用な親父やって。いやいや、武器器用みたいな。On vend pas de gourdin marteau. Impec, elle se fend la colline, c'est comme c'est pas permis. Extra, ils ont réussi. J'en crois pas mes yeux. C'est super, mais vite, dépêchons-nous d'entrer avant qu'elle arrête de rire. T'as raison, mon garçon. Allez, on se remue le popotin. Là, c'était sympa, j'ai bien aimé. おお、笑ってる笑ってる。しずく兄さん、準備できてますぜ。お、お前ら乗り込むで。え、乗り込むって何に。行くで、股間の中にドカンと殴り込みや。Comme tu dis, Did. Oh là là. C'était vraiment trop cool en plus avec les voix jap. そこの妖精さん、早くお願いします。早くのオーダー入りました。よっしゃ兄さん、行くでー。
Ils sont tous tarés là-dedans. Ça me donne la même sensation que d'être dans la baleine. Oh, Pinocchio. Oh, peut-être un peu joli à l'intérieur. Maternifé. Oh, regardez les petites salles de classe, comme c'est adorable. C'est bien des salles de classe, ça, non? Ouais, tout à fait, c'est ici qu'on nous éduque, tu vois. Et comment apprendre les règles du monde des fées sans une ou deux salles de classe, hein? Ouais, j'ai vraiment hâte de voir à quoi elles ressemblent. Myrta, on a une mission à remplir, n'oublie pas. Tu as raison, Oliver, désolé, d'accord. Maintenant, trouvons ces mimini. Aïe, rappelez-moi pourquoi on fait ça déjà. Ah, signal! On rebondit. Ah, la vue de côté, elle est trop bien. Putain, mais les meubles, ils bougent quand on marche et tout. Je kiffe. Je fais un tour de la classe parce que c'est trop classe. Que c'est trop génial. C'est grand, hein? C'est joli. Non, on va pas descendre. Mais là, il veut pas qu'on y aille. Franchement, il est plutôt rigolo le passage pour moi. J'adore l'ambiance. Pourquoi ça fait un point d'exclamation? Ah. Un point de sauvegarde, ouais, chouette. Écran bleu. C'est trop mignon. Commence pas à m'agacer avec ton bavardage, tu vois pas que c'est l'heure de la pause? Oula, 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 oula. Faut tes oreilles de minute, mon garçon, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Lumi? L'escalier que tu vois là, c'est la sortie de secours de maman. On l'appelle l'entrée des artistes, tu vois. L'entrée des artistes? Ouais, alors si jamais tu dois sortir du ventre maman en quatrième vitesse, t'as qu'à filer par derrière. Oui, d'accord. D'accord, mais les mimini, ils peuvent passer aussi, non? Fais pas idiot, mon pote, c'est un escalier pour les grands, ça. Les marches sont bien trop hautes pour des petites gambettes de mimini. Et l'entrée des artistes t'amène directement à Bois-Céliande, comme ça tu peux aller et venir comme tu veux. Ah, mais ça veut dire qu'on aurait pu entrer par l'escalier la première fois. Ouais, j'imagine, mais c'était plus poilant comme ça, non? J'ai toujours aimé débarquer en grande pompe. C'est que j'ai une réputation à tenir. Et ben. Donc, ça, c'est la sortie. On a trouvé la sortie, c'est déjà ça? Ah, d'accord. Bah, j'espère avoir suffisamment XP. C'est quoi cette horreur? Glarg! Vilain, vilain, croque-main, croque-main! Ah, monsieur Lumi, regarde! Dans une loupiote, si on ne s'active pas, Fissa, cette sale bête va faire une omelette de Mimini! Il faut qu'on le sauve! Cléatif! Makenayo! Après, maintenant, on peut faire attaque générale et défense générale! Ça, c'est plutôt cool! Oh, fou! Donc, normalement, je devrais pas avoir de problème. J'ai bien level up. J'ai résisté à Shadar, c'est déjà ça. Ouf. Rocher dans ta tête. Est-ce que ça va? Si, 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 beaucoup. Oh, comme il est mignon. Salut, Mimini. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vilain, vilain, bigre, vilain! Qu'est-ce que. Non, c'est pas vrai! Ben, je ne crois pas, ma loupiote! C'est horrible, il y a une invasion dans le giron! Ah, elle a des parasites dans les intestins! Hein. Ah mince! De vilaines bestioles sont infiltrées, ces ordures terrorisent les mimini! C'est affreux, il faut qu'on les aide! S'il vous plaît, copain, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Qu'est-ce que tu crois? Bien entendu qu'on va les aider, mais je me demande comment ces satanées bestioles font plus entrer! Tu crois qu'il aurait pu venir jusqu'à Bois-Céliande, Shadar? Ouais, j'imagine que c'est possible, mais s'il a réussi à franchir MAM,
On a tous vu ce qu'il a réussi à faire pendant cette tempête. Quelque chose me dit qu'il n'aura aucun mal à franchir ta mer. Ta mer! Comment... Pardon. Je me suis un peu énervée. Comment ils sont entrés, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de sauver les Mimini. Tu as bien raison, Myrta. Et toi, tu restes ici à l'abri, Sedak? Non, copain. Attends, copain. Non, non, non. Attends, attends. Tu es sûr ou quoi? Elle t'a dit de rester ici. Mais regarde-le, on peut quand même pas le laisser ici. Il est terrifié. Il faut qu'on l'emmène avec nous. Mais on va s'en taper sur des bestioles. Alors, on s'en va taper sur des bestioles. C'est dangereux, les gars. Ici, vous êtes en sécurité. Peur, peur, bigre peur. N'aie pas peur, tout ira bien. C'est quand même dangereux de le laisser ici aussi, tu crois pas, monsieur Lumi? Bonsoir, bonsoir. Bon, d'accord. Allez, suis-nous, mon gars, on va te protéger. Oui, allez, viens, Bibini. Tip top, allez, tip top, tip top, allez. Vous êtes maintenant accompagné par le Mimini. Ouais, un Mimini aux fesses. La porte de la chambre rose est maintenant déverrouillée. Bon, bah, en gros, on va aller faire dans les ordres. Ah, chambre rose, c'est pas là. Ça peut... C'est tellement mignon, ça peut pas être dangereux ici. Ah, non, ça j'ai déjà battu ça. C'est tellement choupi. Oh, Targ. Oh non, pas un autre. Viens, mon petit Oli, il faut qu'on sauve les Mimini. Moi j'aurais bien voulu que le Mimini me suive même dans le couloir. Ouais, c'est un peu bizarre l'intérieur de la bête. Après, c'est le royaume des fées, hein, donc. Donc logique. Ah, attaque générale! Baston! Il faut de la vie quand même. L'âme curative. L'arme curative. Oui, c'est ça. Oui, oui. Il peut te laminer dans tout le jeu. Oui, j'ai vu ça. Il n'est pas si enfantin hein, dans le traitement. Hein, dans le niveau de difficulté, effectivement. Quand je suis l'autre après-midi, là, quand je suis morte 5 ou 6 fois, j'étais dégoûtée. Hein. Vous croyez qu'un temps c'est pareil? Les vers sont tellement heureux. Myrta prend une petite cacophonie. C'est quoi cacophonie? Un vacarme de tous les diables qui malmènent les tympans des ennemis à proximité. Mmh, très bien. Allez les Mimini. Ah bah si, on les voit. Pourquoi le mille est tombé? On les voit derrière moi. String, 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 string. J'aurais peut-être enregistré. Mantalon. Baston. Tiens, je t'ai bloqué ta charge, moi. Moi, je t'ai bloqué vos charges. Vous avez bloqué vos charges. Tiens, bon ça. Oui, c'est bien de finir sa tronche. Je suis à croquer. De l'intérieur. Dégueu. Moi, j'aimerais bien que mon intérieur soit aussi joli que ça. C'est pas très joli, hein, je pense, hein, sinon. Oui, plein de Mimini. La porte de la chambre jonquille est maintenant déverrouillée. Attends, je veux la map. Parce que je voudrais aller enregistrer. Ah bah, je les ai largués derrière moi. Ils ont pas suivi. Mais lui, c'est le babysitter, du coup. Écran bleu. Je pensais pas qu'on allait s'amuser à faire des trucs comme ça. Hein. Attends, c'est bizarre. Point d'exclamation ici. Ah, on l'a déjà fait, je crois. Peut-être pour ça, ouais, c'est pour ça. Alors, on n'a pas encore les jeux avec odeur. Hein. Il paraît que ça existe, ce truc-là. Les jeux où ça te... Oh là là, c'est quoi ce machin? Où ça te met les odeurs? Drar, drar. Dracomer, ok. Ta 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 ta. Bon, comme vous pouvez le voir, j'utilise beaucoup Mimi, hein, parce qu'il a une forte défense.
Oh les défenses. Ah j'ai pas été assez rapide pour l'aqualame. Ah c'est dommage, tant pis. Ah imagine les odeurs de zombies, de machin, ah, de putréfaction. Ouais c'est dégueulasse, et alors. Tiens, prends ça, boule de feu dans ta face. Oh bénite, plaise qu'un niveau. Okay. Plein de mimini. La chambre violette maintenant, ok. Je sais pas de quel côté elle est la chambre violette, c'est pas par là. Juste pour le fun. Je démarre et je m'arrête, ils sont trop jolis. Ah donc je voulais streamer, hein, je teste là mardi. Bah ça j'ai déjà eu un boss comme ça. Le problème c'est que c'est un jeu de musique. Alors, ce qui fait que l'écran il passe vite. C'est comme un CTR quoi. L'écran il défile, alors dès que ce sont des écrans qui défilent, j'ai peur que ça passe pas bien. On testera une demi-heure et si c'est vraiment la cata, tant pis, hein, je laisserai tomber. J'ai dit pour ton level up. Wouf! J'ai pris un gros truc dans la face là. J'assure le coup. Voilà. Parce que là, clairement, c'était pas beau ce que j'ai pris là. J'ai perdu Myrta, super. Avez-vous vu Myrta? Eh ben non, parce qu'elle est morte. Un petit caca, Myrta. Elle a du mal à se relever quand même. Sandwich. Ah oh bah il m'a pété. Ouais, enfuis-toi. Faut juste que je rallume. C'est dommage, j'en ai plus que deux. J'ai enregistré quand moi. C'est le dernier qu'on peut réveiller là. Oh là là, c'est foutu, je suis toute seule. Voilà, voilà. Ah, aïe. Eh ben non, c'est fini. J'aurais beau mettre le petit singe là. C'est fichu. Ils crient, mais ils sont morts. Hein. Bah non, mais là tout seul, ça passera pas. Ça ne passera pas, évidemment. Le glouton céphale, je me suis battu contre, mais il y avait que lui. Heureusement que j'enregistre régulièrement. Ouais, comme tu dis, Niro. Le problème, c'est que à part faire ressortir et faire du level. Je peux pas faire grand chose. Pouf pouf pouf. Alors que t'as l'ambiance toute mignote et BAM! Un monstre. Donc celui-là ça va. Là je délire, je vais me mettre avec Faco. Je vais lui envoyer des trucs. Bien pour le trophée. A voler une obélite. J'ai défendu ou pas? Non, bah non, non, j'ai pas défendu. Je fais une attaque dracomère. Il a rien volé, super. What the... Oui, quand ils s'en sortent bien comme ça. Je cherche pas trop. Je cherche à piquer des trucs. Non, trop tard, c'est mort. C'est que là, il y a un gros palier en fait. Salut Franck, comment tu vas?
Bon, là, je vais enregistrer. On est avec des mimini. C'est mignon. Et on va se faire poutrer encore. C'est super. Ah! Eh ben, j'espère que tu vas pouvoir te détendre. Écran bleu, désolé. T'as arrêté quoi comme jeu? Bon, par contre, j'espère vraiment qu'on va réussir cette fois. Après, je vois pas pourquoi on y réussirait mieux maintenant que la fois d'avant. Parce que j'ai pas changé d'équipement, rien. C'est quoi, botte secrète? J'ai pas eu de botte secrète parce que c'est un combat normal. Ouais, je sais pas comment ça se passait là. Bon, on va tenter. On n'a pas le choix. Ouais, ça va, tranquille. Là, on est sur un monstre un peu gros. Je réfléchis ce qui est mieux. Je prends Gunter et je vais essayer de. Je vais essayer de provoquer. Faire youhou! Je peux prendre les coups pour tout le monde! Et ensuite tu attaques. Le mentalo presque mort! Non, laissez-moi tranquille! Non, voilà, je suis déjà morte! C'est abusé! Provision, non mais toi casse-toi à l'autre bout déjà. Je peux pas défendre, je... Non! Ah purée! Je voulais passer la défense. Donc on a dit qu'il fallait que je ramène... Oh mais j'ai le gros truc qui me saute dessus. Je voulais ramener notre petit copain par terre. Hein. Parce qu'il s'est fait quasiment one shot. Hein. Et on en a un de mort, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. L'âme. L'arme curative, bombe à eau. Alors je sais que bombe à eau c'est nul sur de l'eau, mais bon, c'est, au moins c'est à distance. Ouais, ouais, carrément nul. Je me mets avec Faco. Non, je me mets avec Plaise. Plaise, il a pyroboule. Ah non, je vais me bouffer la charge. Tiens, pyroboule dans ta face. Donc lui il est mort, c'est cool. Donc, voilà, il ne reste plus que le gros. Je vais reprendre Oliver. Et je vais prendre mon petit préféré, Mimi. Nuage de sable, ça risque de pas marcher. Non. Coup de bélier. Coup de bélier, ça marche bien. Lame erratique. Oui, grosse bait. Pyroboule, atelier magique. Je vais prendre un coup, je vais prendre un coup défense. Ah, c'est pas sur moi. Non, bah attaque générale plutôt. Il est fatigué. Non, bah c'est pas grave. Attaque générale! Non, pourquoi je change de perso? Avec lui, Kiki! Kiki à l'attaque! Ouais! Coup de moumoute. Ça me fait penser à Pokémon Bouclier où je kiffais Moumouton au début. Bon, maintenant j'ai déjà viré mon équipe, mais parce que je l'ai fait évoluer et qu'il a qu'une seule évol, mais Moumouton c'était mon main. On est là, tip top. Ça c'est vraiment du beau travail les enfants, je crois bien que tous les mimini sont sains et saufs. Merci Niro. Et je pensais vraiment pas que ça allait passer la seconde fois. C'est vrai, quel soulagement. Allez, un petit compte vite fait. 1, 2, 3, tous les mimini sont là. 4, 5, 6, c'est bientôt l'heure de la glisse. Et de 10, et de 12, et voilà Firmin, c'est mon cousin. Extra, tout le monde est là, impec. Quel jeu d'idée. Mais c'est pas fini, moi. Oh, Niro. Vous avez sécurisé tous les mimini. Zazet, tip top. Loumi. Mais enfin, ils se testent jamais, ceux-là. C'est exaspérant. Comment on fait pour les faire dégager? Il faut les amener à la sortie, tu vois. Je sens qu'il va y avoir un boss à la sortie. Ah oui, Pokémon, d'accord. Désolé. Il y a un toboggan dehors et à quel emprunter? La sortie est tout en bas. Un toboggan? Pourquoi il y a un toboggan? Pour leur rappeler que dans le ventre ou de mâme, ils sont tout le loisir de... Ah, bleh, bleh. Pour leur rappeler que dans le ventre ou de mâme, ils ont tout le loisir de glisser sur les peaux de babane de la vie, mais que dehors, c'est une autre histoire. Ça, c'est du mâme tout craché. Sa philosophie, c'est l'amour vache. Je ne comprends absolument pas ce que tu racontes. Est-ce que vous êtes tous complètement fêlés, vous autres les fées? Peu importe ce qu'ils racontent, vite, je peux aller glisser.
Oh, comme je regrette ma folle jeunesse, j'étais si souple, je sens que je vais encore me faire mal. Les mimini vont naître d'une minute à l'autre, accompagnons-les vers la sortie. J'ai entendu du bruit dehors. On va les sauvegarder. J'aime bien se faire rire à l'entrée de derrière. Écran bleu. Tout, tout, tout. Je pensais vraiment pas me trouver dans une ambiance comme ça ce soir. Hein. Franchement, c'est ouf. Adine, tu veux une photo? Tu veux une photo de quoi? Oui, je vais save. C'est clair. C'est parti, tout ce qu'on a à faire maintenant c'est de sauter sur ce toboggan et on sera sorti du ventre maman. Deux. T'es prêt pour la glissade mon gars? Emprunter le toboggan de maman. Oui, t'as vu l'écran bleu, hein? Erreur 404. C'est pour ça que je le dis à chaque fois parce que ça coupe le son, ça coupe l'image et tout. C'est pas super agréable les jeux qui t'obligent à faire un écran bleu pour sauvegarder. Emprunter le toboggan de maman. Oui. Je te fais ça. Avant de mourir. Hein. Ça y est, on est dans la vessie. C'est quoi ça? Oh là là, une mère méduse. Mère méduse. Ils sont où les enfants? Ah, ils sont collés aux tentacules. Ça craint du boudin. Mon album Panini. Petite pause par contre, je vais vite faire la photo bandide. Je lui envoie et je suis reparti. Mais tu vas être le plus grand collectionneur de photos. Oui, voilà, je fais comme je peux, Franck. Tant que petit à petit, hein, je vais pouvoir investir dans un PC, petit à petit, quoi. Ce que j'ai dit, tout ce que je peux sortir de la chaîne, eh ben c'est... Ah, oh, c'est tout flou. Oh, c'était pas si flou quand j'ai pris la photo. Ah, je la referai. Je referai la même, mais en mieux. Si ça te dérange pas, je vais continuer, là, mais... Il y a un succès. Pour le club, pour les Panini, non, je crois pas. Je vais prendre qui, moi, contre ça? Va bien falloir défendre, hein, quand même. C'est quoi, illumination? Il renforce ses attaques magiques. Oh. C'est que pour lui, par contre. Pyroboule. Hey, je sais pas ce qu'il lui a mis comme pouvoir défense, parce que là, je le sens pas. Après, si je vois qu'il prépare quelque chose, je peux me mettre à défendre. J'entends des bruits étranges. J'aime bien les magiciens parce que des loin. Ah purée, il va devoir partir. Défense générale. 36 étoiles. Ah oui, il faut défendre ça. Ouais, c'est bon, c'est défendu. Gunther. Touch my tra, là là. Va récupérer les bibis bleus là. Ah, y'a une bouille. Y'a une bille. Y'a une bille. Y'a une bille jaune. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Laisse-moi prendre la bille jaune avant qu'elle parte. Non! Biatch! Ah, je suis deg! Il m'a bloqué ma bille jaune! Baston, attaque générale pour la peine! Moi, je me défends. Ah, oh! Famille nombreuse, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de petites choses qui en sortent! Remarque, après avoir expulsé tous ces trucs, elle a l'air épuisée. C'est l'occasion de lui en coller une, mon petit Oli! Ouais, je veux bien, ouais, je veux bien. Avec quoi? J'en sais rien, moi, avec quoi? Souffle enflammé, comme ça tout le monde en profite. Ah, voilà, 70. Mais bon, tous les autres, ils me font suer un peu, là. Ah, si, la bibi, là! Bibi, bibi, bibi! Il y a plusieurs bibi! Ah, putain, c'est Tincelle qui a chopé la bibi! J'ai chopé une bibi aussi. Mais non, mais c'est Tincelle qui a chopé la bibi, il fait de la glace, quoi. Il a rien compris.
Tu sais, pour me choper ma bibille et faire ça, franchement, t'en sais, voilà, touche à tes fesses, hein, comme on dit. Danse du sabre, baston. Là, ça fait plus mal déjà. Sauf s'il supporte tes attaques physiques. Sauf ça peut être beaucoup mieux. Oh, si, 230. Wouhou! Il y a une autre bibille là-bas. Non, mais casse-toi, je vais chercher l'autre bibille. Non, Gunther! Oh, quoique, Volcan, c'est bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, you touch my tralala. Ouais, ça c'est beau ça. Oh, 380 dans sa tête. J'ai pas mal le temps de redéfendre, Esquive, 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 esquive. Oh, c'était pas pour moi. Donc c'est bon. Attaque générale. Je vais prendre qui moi? Faco, je vais reprendre Plaise. Parce qu'il est bien efficace, Plaise. Pire boule, toi il est magique. On va prendre du café peut-être. Je vais faire deux pyroboules et c'est fini. Allez, tout le monde en a eu pour son argent, franchement là. Non, défense, 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 défense. Non, défense. Et tout le monde se défend là. Il est bientôt mort. Nice. Ah, je te lis après, Franck. J'essaye de survivre. J'ai pas assez pour faire souffle infamé. Donc on va remettre lui. Et il va se mettre un petit café. Petit café qui va bien. On va reprendre Plaise. Qui va se défendre. Mais c'est pas pour lui le... Ah, c'est... Mimi là, ouais. Mimi l'a réussi à sauver. Pire boule. Yeah. C'est moi qui ai mis la dernière boule. Oui, bah la Rome ne s'est pas fait en un jour, je suis d'accord. Je vais essayer de faire morceau par morceau. Eh, franchement, la méduse, elle a pris cher. On est énervé, hein. 1000 XP. Oh, essence de la tempête, c'est trop beau. Yeah. J'ai plus galéré sur un petit boss que sur un gros. C'est souvent comme ça avec moi. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait tomber, moi? Une télécommande, super. Désolé télécommande. J'ai même pas une seule évolution de dispo là. Bon bah tant pis. La mère méduse. Eh bah je suis bien contente. Si copain, si si si. On est chaud, tout le monde va bien. Ah bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ils ont peut-être une tête d'œuf, mais ils sont costauds ces petits gars. Quand j'avais leur âge, on me servait de la pieuvre au petit déjeuner. C'était pas tant moi. Mais c'était pas une méduse ça? En tout cas, il y a de la chance de s'en sortir. Je n'ai jamais vu de créature aussi énorme. Je croyais qu'on allait y rester. Ouais, on pouvait pas laisser ça comme ça. Hein. Et on s'en est chargé comme des chefs. C'est pas une bande de héros, ça. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de faire sortir les Mimini. Ouais, pendant que tu en parles, comment on sort d'ici? Ouais, comment on sort d'ici? Il n'y a pas d'issue, on peut pas remonter le toboggan. Bien entendu qu'on peut pas, il y en a pour des kilomètres à remonter. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que tu crois, mon gars? En René, c'est ça qu'on fait. Hein? Quoi? Ouais, on sort avec les Mimini. Allez les gars, on a qu'une vie, hein. Et on est censé ne n'être qu'une fois, espèce de petit gnome timbré, qu'est-ce que t'insinues exactement? Vous êtes tellement prudes, vous les humains. Voilà ce qui se passe. Juste là-haut, c'est la sortie de MAM. C'est de là que les Mimini naissent, tu vois? On n'a qu'à sortir avec eux. Sortir, pardon, avec eux. On sera de retour à Bois-Célian dans 2-2. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. On n'a qu'à sortir, t'es complètement marteau. Tip top, tip top, youhou! Ah mince! Je sais pas trop. Ne t'inquiète pas, tant qu'on est ensemble, on s'en sortira d'une manière ou d'une autre. Tu te souviens de l'œil du cyclone? On a survécu, non? Tip top, tip top! Eh bien, on y va alors, c'est le moment de renaître. Ça passe ou ça casse, les gars, on sort vite fait. On va avoir une naissance. Ben chou! Ben chou! Ben chou! Et on entre en scène comme des princes. On va avoir du manga pour ça? Ce serait cool les mangas pour ça. Ah non. Non. Kita. Kita wa. Umareru. Umareru de. Et ça c'est un lever. C'est une fusion ça.
Fusion de 30 minutes. Ils sont complètement tarés, les fées. Oui, Lumi, il commence à être tard. Ouais, il doit être lessivé après la journée qu'on a eue. En tout cas, moi, je le suis. Oh, tiens, le voilà. Tu me donnes comme t'es lessivé. Il y a quand même un duo de comiques dans la ville. Là, c'était Omar et Fren. Hein. Quand même. Hein. Vous avez fait un super boulot, les potes. Mam était morte de rire, pour sûr. Comment ça va, Benchou? On n'aurait pas pu le faire sans toi, chef. C'est du concentré, ces fragments d'humour, hein. On était en feu, ça, oui. Ouais, je crois bien que vous auriez fait un flop sans mon aide. Mais je dois dire, votre sketch, les gars... Il était quand même bigrement drôle. Vraiment, ça fait chaud au cœur, Louis. Ça me rappelle des souvenirs, ouais. Du temps où ma vie, c'était la scène. Ah, c'était il y a longtemps, déjà. Tes gags sont légendaires, Louis. De vrais classiques. Nos blagounettes, c'est rien en comparaison. Je suis seulement content qu'on t'ait fait sourire. Il a raison, quand vient le temps de chatouiller le nerf humoristique de Mam, personne t'arrive à la cheville, chef. Arrêtez, les gars, vous me faites rougir à l'époque où je faisais rire à loin derrière. Je remonterai pas sur les planches de sitôt. Et puis, ces gars-là ont besoin d'un guide hors pair. Qu'est-ce qu'ils feraient sans moi? Fusio! Ouais, ça va, tranquille. Loumi! Mais c'est vrai qu'il m'arrive d'y penser. À comment serait ma vie aujourd'hui si j'étais jamais partie avec Roxane, tu sais? Je me demande jusqu'où j'aurais pu aller dans le monde de l'humour. Omar et Fren. Monsieur Louis? Oh, c'est vous les copains, quoi de neuf? Dites-moi, vous n'avez pas entendu ça, hein? Non, on n'a rien entendu. Non, on vient d'arriver, n'est-ce pas? Il est tard, on devrait aller se reposer. Ouais, t'as raison, impec, je vais vous accompagner dans la vieille auberge, ça vous dit? C'est un peu rikiki pour vous, mais il va falloir faire avec. Et comment je suis censée dormir dans un lit taillé? Je suis sûre que tu vas arriver à te débrouiller. Je ne t'ai jamais vu devoir faire un effort pour arriver à t'endormir et me casser les oreilles. Oh là là, pauvre monsieur Louis. Bah pourquoi pauvre monsieur Louis? Il va très bien, monsieur Louis. Et bah je trouve que ça s'est plutôt bien passé quand même, dans le ventre de la mama. Maman. Oliba. Naitara akan ya de. Uchi wa na namida no yosei tte iu no ya de. Kimi yosei datta no? Sou ya de. Yosei ya de. Hen na kotoba. 妖精たちの言葉なのよ。そんなの変だよ。あら、どうかしら。この子、母さんが作ったのよ。違うもん。僕の友達だもん。そうね。この子はあなたの友達。どんなことがあってもね。Elle a dit 友達。でも、そうですね。ami, je crois en japonais。笑われちゃうわよ。メソメソしてないよ。じゃあ、涙を拭かなきゃ。ね。Oh, je ne vous remercierai jamais assez, mes trésors, vous m'avez sauvé la vie, pour sûr. Content d'avoir pu vous aider, madame. On est encore plus content que les Mimini soient sains et saufs. Mais est-ce que ça va maintenant? Après tout, vous aviez une méduse géante dans le ventre. Oh oui, je croyais que c'était une pieuvre. Nous, les fées, on a un faible pour les fruits de mer. Vous voyez, elle avait l'air si juteuse, j'ai pas pu m'en empêcher. Vous voulez dire que... Exactement, mon petit, je l'ai avalé tout rond, ça oui. Quoi, tout ce temps, on croyait qu'elle s'était fait attaquer par Shadar, qu'elle n'a fait que se goinfrer. Vois les choses du bon côté, Faco, ça veut dire est-ce que c'était moins grave que on pensait. Shadar, tu dis, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom. Shadar. Mais ah oui, mais bien sûr. Vous savez qui est Shadar, madame? Pas du tout. Elle se moque de nous, quoi. Désolé, mon trésor, évidemment que je sais qui c'est. Je l'ai vu en train de volter autour de moi en faisant des tonnes de bêtises. Un vrai garde-moi, ouais. Omar, Fren, ramenez votre popotin ici. Oui, on est là, c'est pas à peine de t'énerver. Qu'est-ce qu'il y a, mam? Arrête de crier comme ça. Vous voulez bien jeter un coup d'œil au château de Shadar, mes amours? Quoi, zut, flûte et rezut? Pas mal, trésor, pas mal du tout. J'avais peur que tu n'aies perdu ton sens de l'humour. Mais quelle réaction, t'as retrouvé ta vigueur, ouais, c'est pas beau ça. Ça fait pas partie du spectacle, même. Tu viens de nous demander d'aller au château de Shadar, tu te rends compte? Tu attendais à quoi comme réaction? Mais on peut quand même pas dire non à mam, on ferait bien d'aller jeter cet œil. Saperlotte, t'as tout un talent pour la négociation, toi. Je sais, mais pense au petit Oli et tout, ils nous ont donné un sacré coup de main, tu trouves pas? La moindre des choses, c'est de leur rendre l'appareil. Et le voilà qui ressort ses airs chevaleresques. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit, Omar?
S'il vous plaît, mes chéris, pour moi, vous ne voyez quand même pas de faire votre main préférée, non? Ah bah ça c'est sûr, on est assez malin pour savoir qu'il faut pas te contrarier. Eh bien on dirait qu'on va se prendre une petite année sabbatique, hein. Qu'est-ce que tu dis, on se sépare, c'est ça? D'accord, tant qu'à y être. Combien de fois je vais te le dire, il n'y a pas question de se séparer, je dis juste qu'on allait devoir faire une pause. Pff, je vous jure. Hein. Bon, tant mieux, Franck. GG Niro pour ton level up. Merci Omar, merci Fred. C'est pas nous qu'il faut remercier, c'est Mam, c'est à elle cette super idée. Merci Mam, on tiendra Lumi au courant si on trouve quelque chose. Merci. Tiens, parlons de Lumi, il est où? Il a filé, on dirait, mais t'as vu qu'il était allé dire au revoir au copain du village. Monsieur Lumi... Impec, tu dois y aller maintenant, hein, mon petit? Moi? Oui, madame, il faut qu'on trouve l'autre grand sage. Bien sûr, trésor, je comprends, t'es un magicien, non? Un ou deux sorts pour la route, ça te dit? Oh, oui, je crois, je veux dire oui, s'il vous plaît, madame. Vous avez reçu une page décrivant le sort métamorphose. Et dédoublement. Ouh... Dédoublement? Imitation? Ah, c'est marrant tout ça! Et invisibilité? Non! Et miaou-garou? Oh, le miaou-garou, faut que je teste! Miaou-garou et merou-garou! Lilliput? C'était un ou deux sorts qu'elle a dit? Ok! Tranche de vie, telle empathie. Fruits empoisonnés. Ouais, ça en fait des sorts, ça. Ah, tu l'as dit, mille merci, madame. Et tu verras qu'ils sont très utiles, utiles aux fées, en tout cas. Mais quand même, tu en trouveras sûrement un ou deux qui te serviront, mon chéri. On y jettera un œil plus tard, il faut qu'on s'active, on a perdu assez de temps. Trouvons cette tronche de réverbère et retournons au bateau. Tu as raison. Tronche de réverbère, c'est pour Lumi, c'est abusé. Tu as raison, il faut qu'on revienne sur la piste du grand sage. Oui, c'est l'heure, au revoir, madame. Au revoir! Bisous bisous mes trésors, revenez quand vous voulez. Lumi vous a quitté, encore. Lilliput. Oui, c'est vraiment plus. C'est vrai que Ben, je peux montrer l'exemple, je suis d'accord. Eh bah, c'était toute une aventure, hein. Franchement, les sorts que tu ne sais, ouais, que tu n'utiliserais jamais, sans doute. Mais attends, je voulais faire le miaou-garou. Il est où le miaou-garou? Miaou-garou. Mais il est où? Mais il est où? Effectivement, il est même pas dispo. Je peux pas l'utiliser. Oh, c'est trop nul, ça. Je peux pas utiliser Miaou-garou. Hein. C'est de l'arnaque, ce qu'il nous a filé. C'est quoi, ici? C'est pour revenir dans son colon? Ça va où, ça? Ah, c'est ça. Donc non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas forcément de retourner à l'intérieur. Bon, j'espère juste que je me suis pas plantée pour la page de... pour la page de l'almanach. Ce serait triste de louper une page. Je vais voir si j'ai des quêtes aussi. Ah, j'ai pas eu le temps. Et dis donc, il n'est pas aussi revêche qu'il en a l'air. Moi et la famille, c'est la famille, j'imagine. Monsieur Louis, ta place est ici. On devrait y aller. Ouais, t'as peut-être raison, après tout, sa famille a besoin de lui. Oui. Faut croire que oui. Alors, faut se dire qu'Oliver, c'est un tout petit garçon, hein. Donc il avait l'air tout triste là. Mal au cœur. Toujours aucune prime. Et j'imagine toujours aucune quête. Ah si! La paix est revenue sur le bois bolé, tout comme les fées. Quelque chose semble néanmoins les perturber. On va pas retourner au bois bolé maintenant. Hein. Bon, je la prends quand même, mais... Vraiment, elle est marquée. Ah, c'est bon, elle est marquée. Faudra retourner au bois bolé. Oui, c'est pour ça que j'ai failli y remplacer par la chemise. La chemise, c'est important. Est-ce qu'on a besoin de dormir? Non. Bon bah go, hein. Taïo. Bah c'était un gros passage, hein, mine de rien. Je pensais pas qu'on allait tomber sur ça ce soir.
bois ses liandes. Finalement, on n'a pas fait notre taf, on devait trouver à manger. Est-ce que je me suis fait attaquer? Non? Oui, non? Il est au niveau... Ah, purée, il m'a pris par derrière. Je suis ravie. L'ennemi à l'avantage, défense générale! Tu vois, vous allez voir ce que vous allez prendre, vous! Oh! Il y en a un qui a fait une attaque feu sans cesse pour le... sur l'espadin. Sérénade. On va récupérer le Pig Maggie. Pig, c'est quoi Pig Maggie? Ah bah pendant ce temps, les autres ils ont pourri le reste. Gardez le Pig Maki, on va l'appeler comment? Maki, Mako, Pikapik. Pikapik? Ah bah quitte à l'appeler Pikapik, on va l'appeler Pikapika. Voilà. Pikapika! C'est bon. Vas-y, bastonne-moi la chauve-souris, c'est pas grave. Aïe! Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ah, ok, super. C'est quoi? J'aime bien entendre leur cri. Oh! Ouf! Un peu mouillé tout ça, pas sûr. Nice! Ils se font poutrer! En même temps, on vient de se faire une méduse. Autant dire que les petites bestioles comme ça. Tiens! Les bibis, les bibis! On va enfin voir le bon continent, Autonia. Enfin, j'imagine. Perlette d'étoiles. Oh! Captain Sinbad! Oliver, quel coup de soulagement, je t'en prie, dis-moi que vous avez trouvé au moins où dormir la fin de la nuit. J'ai rajouté des mots, c'est pas grave. Bien sûr, on a apporté des tonnes de nourriture aussi. Il y a un petit village sur l'île et... Un village et de la nourriture, je suis heureux de l'apprendre. Vous serez heureux de savoir que mes hommes ont terminé les réparations du bateau. Il est prêt à prendre la mer, à votre commandement. Devrais-je donner l'ordre de lever l'ancre? Abandonner Lumi sur Madagascar? Bah non, en fait. Bah, on va essayer de lui parler, peut-être, non? C'est normal, ça, de l'abandonner? Ça fait bizarre. Alors, je suis peut-être ça pour rien, mais ça fait vraiment bizarre d'abandonner Lumi. Parce que c'est pas un jeu à choix, en plus, ce jeu. C'est pas genre, il y a un différent scénario si tu laisses Lumi ou pas. C'est étrange. Très étrange. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ami Lumi, Ami Lumi. Ouais, je suis pas sûre. Bon bah on va le laisser là hein. C'est étonnant mais on va le laisser là. Très étonnant même. Il n'y a même pas de casino, je suis déçue. Qu'est-ce qu'on a comme nouveau sort d'ailleurs? Pas grand chose je crois. Utilisable. Ouais. Fruit empoisonné, on peut l'utiliser. C'est le seul qui est dans ma liste. Bon, on va devoir abandonner Mouloumi. Il y a une bestiole qui s'appelle Racaille. Wesh la Racaille! Ouf! On prendra qui sur la tête, la racaille, le pauvre. Bon, je m'amuse pas à essayer de choper toutes les bestioles de l'île. Hein. Je ferai ça en dehors dans la live, je pense. Parce que déjà, faut qu'on fasse l'histoire avant de s'amuser à faire des balades. Bah, Mimi, niveau 27, tu veux toujours pas évoluer? Scrogneux.
Je suis quand même bien content d'avoir fait du level, hein, parce que... Si ça, si on n'avait pas bloqué sur Shadar, on aurait bloqué sur ça, hein. Franchement... Étreinte magnifique, défense. Qu'est-ce qui est ensorcelé? Tincelle qui est ensorcelé. Wouhou! J'ai calmé la chauve-souris, là. Mimi, il est d'une violence. Comme je reviens pas le nombre de bibis de gros pouvoirs que je me suis fait pécho pendant le combat. Carottes croquantes et perlettes d'étoiles. Bon bah abandonnez le Boomy. Oui s'il vous plaît. Tu vas la retrouver Boussaillon, as-tu oublié quelque chose dans la forêt? Bah un petit peu parce qu'il est tout le temps avec nous normalement, enfin... Vous l'avez jamais laissé? Non, on peut y aller. Très bien, levez les voiles. Enfin, moi personnellement, à la place de Lumi, je le prendrais super mal. On a fait ce qu'il fallait, non? Bien sûr, la famille, la chose la plus importante qui soit, on le sait tous. Et en plus, il n'en rajeunit pas, il faut bien qu'il se pose un jour. Et nous, on est là, Oliver, si on travaille tous les trois ensemble, on y arrivera. Je suppose. Eh oh! Quoi, vous avez entendu ça? Hein? T'es pas d'accord, je crois. Je suis lessivé. Vous essayez de filer sans moi ou quoi? Mais Lumi, on croyait que tu voulais rester à bosser Liande. Où t'as entendu ça? Quand t'as entendu ça? Je veux des noms et des dates, et la minute près. Mais on pensait, tous tes amis sont là-bas. Évidemment qu'ils y sont, mon garçon, et je les adore tous, même les abrutis. Mais toi et moi, on faisait déjà équipe quand t'étais un mimini et moi un simple doudou, mon petit Oli. On a traversé tellement de choses ensemble, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que j'étais ton ami. Vous êtes tous mes amis, mes compagnons, mes frères et sœurs, ma famille. Burke, je crois que je vais être malade. Toi, tais-toi, je veux dire, vous allez devoir me supporter que vous le vouliez ou non. Alors rentrez-vous bien ça dans le crâne, vu? Compris, monsieur Lumi. Après avoir entendu ce que tu disais à tes copains hier, on essaie seulement d'être gentil. Oh, parce que c'est ma faute maintenant. J'ai compris, vous pensez que j'ai fait ça, que j'ai pas fait ma part, c'est ça? C'est bon, je vais commencer à me servir d'un truc à moi, vous n'en croirez pas vos yeux. Lumi a fini par s'en saisir et peut maintenant utiliser le talent l'arme lumineuse. C'est quoi ça? Ah, je suis impatient de voir ça en tout cas. Toute la bande a l'air d'être là. Et surprenez ce qu'on est censé faire. Je dis pareil, direction Castellaire. Le prochain grand sage nous attend. Autonia, nous voilà. C'est parti. Lumi est de nouveau à vos côtés. Par son outrecuidance et honté, le cœur de la fée des larmes a brisé un sceau de l'almanach du magicien. Vous avez reçu un nouveau conte merveilleux. Mano Otatsunaki, Dokurome, Tenpenchi o yobu Kodai Mahou. 本来世界の管理者にのみ許されているもの。あなたには過ぎた力でしたかな。予言の少年を始末するため、与えた能力だったのだがな。申し訳ございません。上陛下。しかし、あの少年、奴にはやはり。あ、セットもデビーケプウィア。 自ら手を下しておきながら何の成果も上げられなかっただけでは。セットマコスソソ。これはこれは出過ぎたマネを。おお、クリオン。奴は間違いなく魔道の力による火を受けております。おそらく賢者アリシア。その可能性も。お前に歯向かった愚かな女。 Cool, mais merci beaucoup Franck d'être passé, ça fait très plaisir. À la prochaine. グラディオンか。ええ。ですが、ご安心を。
彼らがそれを手にすることはありませんが、主なき魔道の杖、引っ去ることなどたやすいことでございました。まさかジャボー殿、グラディオンを消滅させたのですか。ええ、魔道の支配を象徴する遺産など長き眠りにつくべきなのです。グラディオン、我ら評議会の杖を模して人間に与えられし力だから、無視だが、今となっては妨げでしかない。あの少年は手にすることはないのだな。ありえません、永遠に。グラディオン、est-ce qu'ils ont un espion aussi chez eux ? Sauvegarde ! Écran bleu, désolé ! Donc, on est là. Ah, c'était cette île-là, d'accord. On va go ! Merci la fiore. Ah bah, j'espère l'avoir pour 2020 ! Ce serait tellement bien. Oh ! Le kiff. Je suis vraiment pressé. Après, ils sont en train de faire les travaux, mais ma ville, elle est assez grande, quoi. Donc, je sais pas s'ils sont précisément près de chez moi, quoi. Après, je les verrai s'ils font des travaux le long de ma route. Hein. La bonne nouvelle, c'est que normalement, j'ai un fourreau, puisque ma maison, elle fait partie d'un bâtiment complet. Normalement, je pourrais utiliser le fourreau qui relie toutes les maisons, dans lequel passe déjà mon ADSL. Et ce serait déjà un gros plus. Oh là là, ils m'ont l'air puissants, hein. Ils m'ont l'air un peu puissants. Ah, j'ai pas défendu Aqualam. J'ai pas réussi à défendre Aqualam. Allez, vas-y, finis-en au moins un, c'est bon. La mératique, un peu. Ah bah oui, j'imagine, ouais. Je me poserai plus de questions sur le genre de stream à faire. Je pourrais faire le jeu que je veux. Enfin, rien que ça, quoi. Enfin, tout ce qui est jeu en multi, en plus, je kifferais. Hein. Overwatch, Apex, tout ça. Ouais, c'est ça, exactement, Ryu. Qu'on puisse streamer sans stress, de se dire est-ce que ça va bien donner, est-ce que ça va être lisible ou pas, est-ce que... Voilà. Ce sera tellement mieux. Ouais, c'est ça. Ce sera un vrai bonheur. À mon avis, on va se rendre tranquillement à Autonia, là. Et puis, on va arrêter là-dessus pour ce soir. Je trouve que ça a été assez couplé comme menu. C'était plutôt très sympa. Je vais monter voir ce qu'il y a à gauche, là, de brillant. Bah, je m'attends à me faire taper fort, là. J'ai vraiment peur de me faire thérapistyle et support. Coup de bélier sur support, bien. Ouf. Oh, il a volé. Il a volé, il a été achevé en super Gunter. Liège de sable sur l'autre support. Ah, j'ai défendu une charge, mais elle m'était pas destinée. Tiens, prends ça. Ouais, c'est clair. Ça serait trop cool. Hein. Rien que faire du stream HD, quoi. Rien que ça. Hein. Bah, j'ai envie, hein, tous les gens qui peuvent streamer en HD. Mais bon, moi, la bonne nouvelle, c'est que normalement, je devrais pas claquer 3000 boules pour faire équiper la maison. C'est déjà ça. Parce que là, la question te pose, c'est est-ce que tu fais, est-ce que tu fais pas. Pourquoi lui, il s'enfuit? Je suis pas si dangereuse, quand même. Ah oui, bah toi, la 4G, c'est lié, ouais, tu subis la météo. Ça, le tic. Ah, je suis contente. Franchement, je suis contente parce qu'on a réussi à passer le cap, là.
fait bien plaisir. Mecha Jano. Oula 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 oula. Oh, y'a Myrta qui a pris cher. Faut que je l'aide un peu. Voilà, c'est bon. Elle a eu deux. Oh là 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 là, elle est chez moi là. Camouflage. J'esquive, ouais! Je m'améliore sur le choix des capas. De mieux en mieux. Ah, c'est qu'il a une box ADSL aussi, Did. Il n'est pas encore fibré non plus. Mais bientôt, toi. Toi, tu y es presque. T'as fait plus dur, toi, Didjok. Tu devrais te fibrer avant nous, hein, normalement. Avant Ryu et moi. Hein. Le jour où on sera tous fibrés. Le bonheur. J'irai bien chercher là-bas. Ah, pour tout à l'heure, là, pour... ah, le fait que t'aies des coupures. Pour ton stream d'après. Ouais. Mais tu seras tout seul à utiliser la call, là, après. Ça joue peut-être, hein. Bon, je vous passe les combats. Nous, on va direct à la ville. Est-ce qu'ils peuvent tomber ? Non, c'est une ville bizarre, ça, c'est glauque. Ta-ta-ta-ta-ta. Donc, il suffit qu'il fasse mauvais et c'est instable, quoi. Ah, bah c'est bon, il m'a déjà aidé. L'âme curative sur Myrta. Ensuite, non, c'est pas ça que je fais. Attaque générale! Ike, c'est soit vas-y ou allez-y. J'arrive pas à savoir encore. Oula, Fako, il est pas bien. Oh bah, tant pis, on va finir sans lui. Hein. J'en peux plus de claquer les queues de Félix. On va faire sans. Nice! Je vais mettre le chanapan juste après, là. Tac, chanapan. Il y a une bonne tête de combat que j'aime bien, aussi. Tac. Dans ta face. Et puisqu'il a, il aura quand même une XP, Fako. Même s'il est au sol, là, il va se réveiller avec un d'XP. Enfin, avec un de vie, et il va aller voir l'XP. Donc, quand je vois que je mène un peu, bah, je m'amuse pas à rappeler les personnes. C'est gâché, quoi. La copine avait cette voix avant, je sais pas comment elle faisait perso. La voix de quoi? Un éclat d'obsidienne. Kessler, c'est moche. Ah, cette co, parce que je comprenais plus du coup. Oui, c'est vrai que t'as eu quand même du monde, dit malgré tes lives en 360. Ah, ça me rassure. Mazette, cet endroit est gigantesque. J'aime pas les villes industrielles. Génial, il y a des machines partout. Doucement, Oliver, si tu continues comme ça, tu vas t'évanouir. Non, même pas vrai, je dis juste que... Oui, j'ai vu, désolé. Ah, mais laisse tomber les machines, regarde là-bas. Bonsoir, bonsoir, qu'est-ce que c'est que ce costume? Ça ressemble à un cochon. Ça alors, regardez autour de nous, ils sont tous habillés en cochon. J'y crois pas, mais à quoi ils jouent? Quoi? C'est moi ou Fako, un comportement vraiment étrange aujourd'hui? Tu crois? Peut-être que... Peut-être bien, qui sait? Bon, amusez-vous bien les touristes, j'y vais. Hein? Mais attends, Fako! Hein? Qu'est-ce qu'il lui prend? Que lui prend-il? Oui, c'est clair que la qualité ne fait pas tout. Pourquoi il est parti au courant comme ça? Ah, mais j'imagine qu'il a besoin d'être seul, je vous jure, il n'en fait qu'à sa tête. Bon, ça le regarde, tu sais, on s'amusera beaucoup plus sans Monsieur Ronchon. Fako a quitté le groupe. Mon petit fantôme préféré, il est juste là. Qu'est-ce qu'il va nous demander cette fois?
suis contente de te revoir, Oli. Cette ville est impressionnante, tu ne trouves pas? Tu as déjà vu autant de machines? Si ce que t'amuse, c'est de jouer avec des écrous et des boulons, tu es au bon endroit. Ça, c'est sûr. Oh, comme ça, tu aimes les machines. Moi, j'aurais bien envie d'avoir un automata comme familier. Et à propos de familier, on dirait bien que tu t'es assemblé toute une armée de monstres, hein? Oui, on peut dire ça, mais c'est surtout grâce à Myrtle. C'est vraiment y faire avec les créatures. Eh bien, il pourra peut-être t'aider à répondre à ma prochaine question. Je crois qu'elle te plaira. Tu trouveras dans ton almanach du magicien une image des guerres runiques qui jadis furent rage dans tout le pays. En regardant attentivement, tu trouveras de bons exemples de créatures du genre automata. Voici ma question. Combien de créatures du genre automata sont présentes dans l'image? Comme tu as une bonne connaissance des familles, je suis certain que tu trouveras tout de suite. Dis-moi quand tu auras trouvé la réponse. Automata, sur l'image des guerres runiques... on va aller voir. Alors c'est quoi un genre automata déjà? Magie, alchimie, équipement, créature et familier. Créature. Par genre. Ça va être quoi les machines? Qu'est-ce que ça va être le signe? Ah là! Automata. En théorie 400. Oh là là. 400, c'est ouf. Donc automata, c'est tout ce qui est machine. Maintenant, il faut trouver la page des guerres runiques. Ça va être dans quoi, ça? Non, c'est pas ça. C'est ça, le truc des guerres runiques? Je sais pas, c'est pas écrit. Tu m'étonnes. Et moi j'ai de la chance, c'est un 1708 moi que j'ai. Est-ce que c'est ça les guerres runiques? Sommaire. Créature et familier, la ménagerie. Leçon d'attention, leçon d'apprenti. Les guerres runiques, illustration 212. Ouais, je sais, c'est long. 212. Là, là, là. Ouh. Bah, déjà, du VDSL, rien que ça, c'est suffisant hein, pour streamer HD. Ouais. Donc, on a dit 212, il faut compter les automata. Voilà. Ah voilà, c'est ça, cette page-là. Oh, la vache. Oh là 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 là. Oh purée. Comment on va faire? Il y en a partout. Est-ce que les flingues ça compte? Bah non, ça compte pas les flingues. Donc si je fais comme ça, ça fait 1, 2... Deux. Si je décale. Ensuite. Deux. J'en ai toujours deux. Mais la page est pas énorme. Hein. Trois. J'en compte 3 là. Je dirais 3. Je vais lui dire 3. Je sais pas si vous avez pu compter. Désolé, c'est pas la bonne réponse. Génial. Après, je peux m'amuser à faire. Ou c'est au-dessus de. C'était 5. C'était pas 3, c'était 5. Là, là, là. Coffrographie. Découvre des trésors cachés. Merci, Mnemo. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je crois qu'il est temps que j'aille explorer cette métropole mécanique. On se reverra bientôt. Ok, super. Ouais, j'ai un peu triché parce que j'avais pas trouvé de 5, moi. Bon, celui-là, qu'est-ce que... Ah, il a besoin de tempérance.
Ah non, il a de la tempérance. Ah, c'est ça, c'est lui, il a de la tempérance. Et comme moi. Ouh, il y a de quoi faire. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je vais faire les boutiques. C'est une super grande ville. Ah, d'accord, c'est 1 km max. Je savais pas. Un coffre. Un pinceau du bavard. Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a des fruits et des légumes que je n'ai pas encore achetés chez elle. Ah, j'ai plus que 6000, la dèche. De la truffe, c'est moins cher que chez nous. Voilà, ça c'est bon. Donc on dit la tempérance, il peut pas la filer. Je fais un petit tour en ville vite fait. Je vais lâcher le script pour prendre des quêtes. Et après ça va être l'auberge et bye bye hein, et bonne nuit. Hein. Là comme je disais, je trouve qu'on a bien avancé quand même. Ah ouais. Ah moi j'avais déjà trop de critères, je pouvais pas en plus. Je pouvais pas en plus prendre le critère de la co. J'aurais pas acheté, hein, sinon j'aurais jamais acheté sinon. Oh putain! C'est quoi tout ça? Oh furé! Et c'est quoi le nombre de quêtes qu'on a récupéré là? J'étais à zéro! Et là, j'ai récupéré d'autres trucs! Oh, tant mieux, j'ai envie de dire, mais bon. Machine fantôme, chaos sur la falaise, parfait. Y'a rien à toucher, récompense. J'attends. Comment ça se fait que ma deuxième ligne elle se remplisse pas? Est-ce que je suis obligé d'acheter sur la première ligne pour accéder à la deuxième ligne? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là je suis à 9 déjà. Saut de mouton, ça sert à rien. Est-ce que vous me conseilleriez de consommer là, mais après je peux tester au moins pour une. Ce gros lot, clairement, ça c'est bien. Et non, il y a les autres lignes, elles apparaissent pas. Ah, je suis obligée de remplir toute la ligne pour passer à la suivante. Obligée de tout prendre. Ah bah ok, d'accord. Pas le choix. J'aurais peut-être dû prendre d'abord ce qui me plaisait. Ouais, j'ai assez pour la première ligne. Parce que justement, j'attendais la suite, moi. Pour claquer mes trucs dans la suite. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah, du prix plus bas. La quantité d'XP gagnée au combat, c'est vachement bien. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, ok. Bah, merci pour le conseil, Nio. Mais j'ai bien travaillé et j'ai pu faire toute ma ligne. Plus besoin de lui parler, j'ai oublié. Et à mon avis, avant le live suivant, j'aurai l'occasion de me balader. J'aurai l'occasion de me balader dans Kessler et les extérieurs. J'espère que ça va pas déclencher d'histoire. Après, j'irai pas à l'étoile. Comme ça, je prendrai pas de risque. Je vais faire comme ça. Oh, ça flotte dehors, c'est ouf. Alors, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? Il veut que je lui montre des familiers, lui, je crois, non? Je sais plus. Ah, c'est vous, il semble que nos chemins se croisent à nouveau. Attends de voir la dernière ligne. 3 créatures particulières. Il a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut de l'automata. Une grande créature mécanique, une petite créature mécanique et une roue dentée marron. Ah, d'accord. Il veut 3 créatures mécaniques. Oh, oh mince, il y a un truc dans la jarre. Je vais regarder dans la jarre quand même ce que j'ai gagné. Bon, en tout cas, c'était bien cool ce petit live. Ni Okuni, c'est vraiment un jeu qui déchire. Ça m'a réveillé. Je partais fatigué, je partais malade et là ça allait mieux. Ah, 140!
C'est de plus en plus cher. Alors j'ai récupéré sur quoi ? Des infos sur Otonia. Et c'est tout. Et c'est tout. Vous sauvegardez ? Oui. Évidemment. Voilà. Ouais, c'était bien cool en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, c'était chouette. Ah mais non, je peux pas aller faire je ne sais quoi, j'ai pas... Il me manque Faco. Ah, ça craint si j'ai pas Faco. Ça vous dit, vite fait, on se fait du rab. Et parce qu'il me faut Faco dans l'équipe. Avant de pouvoir aller... parce que si je pars à l'extérieur, il y aura pas Faco avec moi, à mon avis. Je vais essayer pour voir. Je vais essayer de ressortir sans Faco. Et s'il faut aller chercher Faco, du coup, voyons où je le fasse maintenant. Parce que là, si on part à deux, je pourrais pas faire... Ouais, non, c'est mort, je pars qu'à deux. Je pourrais pas faire mes quêtes et tout, je vais aller chercher Faco, là, vite fait. On va le suivre. Tant pis. Je vais faire un petit peu de rap pour ça, pour pouvoir me débloquer pour le hors-live. On va aller à l'objectif. Sympathique Ryu, bon, c'est cool. J'ai trouvé ça chouette aussi. Et je me débrouille pas si mal, heureusement que j'ai fait du level up, mais quand même. La méduse, elle m'a fait peur au début. Hein. Mais au final, ça a été une... La méduse, c'est une orgie, quoi. Elle arrêtait pas de cracher des globes et tout, c'était trop cool. Il y a des plumes par terre. C'est dommage, je viens d'acheter des nouveaux équipements, il faut encore que j'en rachète d'autres. C'est pas l'eau ça, c'est le gâchis. Après c'est pas perdu parce que ça équipera toujours les nouveaux que je ferai venir dans les équipes. Oh purée, c'est super cher, eh bah tant pis. Wouhou, je pourrais acheter que deux trucs. Non 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 non. Le rap c'est la vie. Mais tu voulais pas démarrer à 11h30 toi? Bah du coup tu démarras, je fais un raid vers toi. Si ça te va. Parce que tu vas streamer après toi je crois. Ah mais c'est vrai que les bouboules dorées là c'était ouf. Tout ce que j'ai chopé en bouboule dorée. Mais je pense que quand il y a eu la chance, quand je lui ai envoyé une boule de feu dans la tête, et bah du coup ça en a craché pas mal des bouboules. Voilà. Oh du manga. C'est un truc de malade, la vie, elle bouge. Oh, talent, je dirais pas ça, Belge. C'est marrant, je connaissais pas le jeu musical sur Persona. Avec 4 heures ça pique. Faco, tu es tellement agaçant, où es-tu parti? J'ai d'autres trucs à régler, j'ai même entendu quelque chose qui pourrait t'intéresser. Hein, tu parles de... Tout à fait, à propos du grand sage que tu vas à tout prix trouver. Impec, allez, allez, où est-ce qu'il est? C'est pas poli de faire attendre les copains. Ouais, bah en ce propos, en fait, il est dans le palais. Le palais? Tu vois, tous ces gens qui sont obligés de porter un masque de cochon, et bien on raconte qu'il y a un type qui se balade sans. Et apparemment, il se fait appeler le serviteur du prince. Et c'est pas tout, il raconte que c'est un jeune gars avec de longs cheveux, des traits délicats. Attends, ça ressemble au garçon du portrait que la sultane nous a donné. T'as tout compris. Ça alors, et moi qui croyais que tu ne servirais jamais à rien. Si c'est pas rude, ça, elle mâche pas ses mots, la petite, hein. Comment tu fais pour apprendre tout ça, Faco? Oh, j'ai entendu une conversation pendant que je me baladais dans le marché noir.
Le marché noir, tu as l'air de connaître cette ville comme ta poche, Faco. Moi, non, j'ai jamais mis les pieds, je sais flairer les bonnes pistes, c'est tout. On finit pas avec une tête comme la mienne sans avoir roulé sa bosse un peu. Disons que je connais un ou deux trucs sur deux ou trois trucs. Alors, il est serviteur du prince, hein? En tout cas, il avait l'air rudement puissant pendant la procession. Ah, tu te sens moins seul du coup, Bench? Bon, à propos de ce prince pour ça, le truc c'est que... Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas vrai, c'est quoi tout ce rafus? Sans rire, j'ai presque bondi hors de mes tripes. Ouais, courage, Bench. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère du comportement annonce un nouveau décret d'urgence émis par le prince. La population est avisée que l'article 2904 de la Constitution interdit aux passants tout contact visuel. Quiconque, enfreint cette loi est passible d'une amende de 5000 florins ou de 3 ans d'emprisonnement. Vive le prince! Contact visuel, mais qu'est-ce que c'est que cette loi? J'ai jamais rien entendu de pareil, qu'est-ce qui se passe ici? C'est de la folie, comment il a pu? Hey, tu veux trouver le grand sage, c'est ça? Eh bien, grouille-toi et rends-toi au palais. T'as raison, c'est parti. Faco est à nouveau de vos côtés. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est exactement ça dont j'avais besoin. Ouh, un gâteau floral. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui? La 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 la. Ah, du courage. Ouais, il y a besoin de courage. Parce que... Normalement, on a du courage en stock. Courage, c'est bien. Trouve bosser au même endroit. Lol. Imagine. Non, mais il y a plein d'endroits qui font les 8 heures, Marc. Miss Sabot, pourquoi je n'ai pas saisi l'occasion de demander la main de ma chère éteindre? Bah, tu manquais de courage, mec. 3 flancs au babane et 5... combien? 500 flancs? Je sais plus. Yeah! Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux récupérer, là? C'est quoi? De l'enthousiasme? Ouais, de l'enthousiasme. Cueil-cœur, de l'enthousiasme. Bah, tu me dis, Rius, si tu veux démarrer plus tôt. C'est comme tu veux. Si tu veux enchaîner là, maintenant, je peux. Moi, j'ai fini, hein, de mon côté. Je ferai pas plus d'histoire et tout, donc... Ça c'est fait, ensuite je vais aller par là. Si on peut régler 2-3 quêtes comme ça. J'ai vu un coffre en plus. Pardon. C'est quoi qu'il a lui? Mais te barre pas toi! Ça va être quoi? Si c'est du courage, c'est cool. Tempérance! J'en ai déjà ça. Ah non, j'ai peut-être donné. Oui, non, j'en ai déjà. J'en ai déjà de la tempérance. Il y a 10 fois trop de tempérance, là. Un martel de tête. Super. Super, super. Je suis dans un cul-de-sac. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Mince, j'ai pas vu ce qu'il veut. Ah oui, elle, là c'est juste un sort qu'il faut que je lui file. Il faut que je fasse croissance rapide. Ah oui, il faut parler après, attends. Mais si, croissance rapide, il fallait parler à la plante. Oui, au pire. Hein. Ou je meuble pendant ce temps, comme tu veux. De quoi, il faut que je fasse quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais rayonner sur la plante? Qu'est-ce que j'ai ramené? Bon bah... Ils ont fait tout le boulot. Ils ont pas eu besoin de moi là, clairement ils ont fait le boulot. Hein.
Ça, c'est fait. Et bah, il fallait faire pousser sa plante plus vite. Speakrim, ouais. Comme vous, quand vous gardez le chat, quand j'ai eu des coupures d'électricité dernièrement, c'est abusé. La bonté, ah, ça je prends. La bonté, j'en ai pas là en stock. Vas-y, je meuble, ok. La vertu chaleureuse apparentée à la générosité. Ikea Time, pas mal. Voilà, j'ai pris un petit peu de bonté. Donc ça c'est fait, on a fait quelques quêtes déjà. Il y en a une que je vais aller chercher là-bas, et puis c'est parti. Ok, j'essaierai pas d'aller au palais ce soir. J'aime bien ces petits pas. Ils sont mignons ces petits pas. Enfin, j'ai l'impression que sur les nouvelles quêtes là, on gagne quand même pas mal de thunes. De thunas. Enfin, j'espère. Ça pourrait rembourser les équipements. Les équipements des animaux. Ça va la qualité ce soir ou je me rends pas compte de mon débit? Avant j'avais des chiffres et tout, mais là à cause du nouvel affichage Twitch, j'ai plus les chiffres. Là faut que j'aille en face à gauche. La musique épique, c'est assez drôle. Ah non, il me dit pas qu'il me bloque. Vous n'êtes pas de Kessler, n'est-ce pas? Je regrette, mais ça te rajoute de mon plat. Ah non, on est dans... C'est là le marché noir. C'était propre. Ah, ça fait plaisir. C'était là le marché noir. Bon, on va aller se bastonner. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un monstre sur lequel il faut aller se défouler? Sur un pont en fer au sud-ouest de Kessler. Sur des falaises au sud de Kessler. Bah voilà, on va aller faire ça. On a une petite bestiole à poutrer et puis c'est parti. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. J'ai entendu tousser dans mon dos, mais le problème c'est que j'ai personne qui doit tousser dans mon dos. Ah non, je sais, c'est mon rongeur. Allez, lui, il faut que je ramène des bestioles, c'est vrai. Allez, go, on va poutrer du monstre. Sauf que c'est eux qui vont me détruire. Si c'est eux qui me détruisent, c'est la loose, hein, franchement. On va essayer de se taper des automates avant d'y aller. Ah, il y a un coffre vert au sud de la ville. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas du tout vu. Est-ce que c'est genre à pas aimer l'électricité, ça? Ah, c'est possible. Ah, mais le méca Jano, j'avais pas vu que c'était un automata. Je trouve que c'est lui que j'ai loupé. Parce que du coup j'ai un peu triché quand même pour répondre à la question de... Oh bah ils m'ont guéri. Pour répondre à la question du petit... de Nemo. Nemo le... Nemo pas le poisson rouge, hein. Nemo le... Il est en hauteur. Ah. D'accord. Il faut ouvrir l'œil. Dans les gradins ou avant? Pluie curative. C'est quoi pluie curative? Pluie curative qui fait quoi? Une pluie bienfaisante qui redonne un peu de santé à tous les alliés. Oh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Du moins qu'il ait un talent de plus débloqué, lui. Je vais me refaire un petit combat, peut-être. En plus, il faut que je me chope des automata là pour ma mission. Mais non, mais t'enfuis pas, mec! Il se barre! Pas cool! Ah, bah attends, il y a un tout petit aussi mécanique langue là. Il y a plein d'automata. D'accord, merci. C'est gentil. Bandito, il est confus, il est en train de taper tous les copains là. J'adore, c'est génial, j'adore ça. C'est bon, tout le monde est remis en état là. Oulala, là 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 là. Non, 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 non. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu, je suis dégoûtée.
Tire venin sur de la machine, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Je suis pas sûr du tout. J'essaie de survivre en fait pour pas utiliser de phénix. Ah, sauf que Myrta est en train de prendre cher. Provision. Tant pis, elle va manger un truc. Non, laisse-moi! Non! Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est l'arme curative. Myrta. T'as le purée. Il est bientôt mort, lui, le clip manipulateur là. Donc voilà, ça dégage déjà. Non, l'arme curative sur Faco, il est mort. Bon, tant pis, je me finis le camou machin tout seul. Avec Kiki. Allez, Kiki! T'es le plus beau de tous les Kiki! Voilà. Oh, c'est la dèche, hein. Je crois qu'on va rentrer la queue entre les jambes, comme on dit. On va aller dormir à l'hôtel et puis fin du live. Hein. Parce que là, on a failli tous mûrir. Ah, parce que c'est pas du tout raisonnable de continuer. Ah si, faut que je m'entraîne, quoi, ça veut dire. Voilà, je les ai pris en... par l'arrière, donc j'ai un gros avantage. La mératique. Et bien, on va bientôt avoir fini, parce que... Ryu, il va prendre la main. En tout cas, c'était bien cool ce soir. Je sais pas encore sur quel jeu je vais enchaîner derrière. Bah après, on a le temps, hein. Franchement, y a pas d'urgence. Hein. Ah, ce combat-là, il ressemble pas du tout à l'autre. Je comprends pas. J'ai pas eu autant de problèmes. Ah, mais je sais pourquoi. C'est que je les ai pris en discret. Tout simplement. Y a pas à se poser plus de questions que ça. Alors j'essaierai d'y penser, j'irai chercher le coffre vert hors live, je pense. Est-ce que vous savez si Ryu a allumé sa chaîne? On remarque, je peux peut-être regarder par les amis. Je vais regarder si je peux vous y envoyer ou non. Ni No Kuni 2! Oui, sans doute, ouais, c'est possible. Mais c'était pour alterner, peut-être faire un Kingdom Hearts. Pour pas faire que du Ni no Kuni, faire du Kingdom un peu entre deux. Merci Did, c'est gentil. Je commence à avoir la voix cassée un peu. La fatigue. Restez pour 140, bim! 140 dans ma tête. N'a pas encore lancé le live, d'accord. Bon, on va aller chercher le coffre vert. Écran bleu, parce que je vais bientôt sauvegarder. Oui, vous sauvegardez, oui, bien sûr. On va aller chercher le coffre. Et puis ça va meubler la fin, comme tu dis, Niro. Là, c'est un cul-de-sac, y'a rien. Oups, pardon. Je veux pas courir plus vite. Aïe, merde, dans le mur. Je lisais le chat. C'est pas discret des fois que je lis le chat du coup. Alors tu m'as dit gradin au fond à gauche, faudra se mettre à l'extrême droite en arrivant. Extrême droite au fond à gauche. Y'a un toutou. Arrive, ok, bah je chope mon coffre vert et puis je t'envoie tout le monde. Et non. Je t'envoie tout le monde à gauche, tout le monde à droite. Ah, attends. Alors tu m'as dit les gradins de gauche, donc moi faut que je me foute au fond à droite. Au fond à droite. Donc dans les gradins tu m'as dit par contre. Extrême droite. Non là c'est vraiment... Oh! Attends, celui-là j'avais pas vu. Ah, c'est vrai qu'il y a coffrographie aussi. J'ai génial pour ton level.
Donc tu m'as dit, Niro... Il y avait un coffre dans les gradins. Gradin de gauche. Donc tu m'as dit... Enfin, j'ai l'impression de m'éloigner de l'endroit où tu m'as dit. Au-dessus de celui-là. Alors attends. Ah, au-dessus de celui-là, donc de ce côté. Alors, attends. Donc là où je suis là. Au-dessus de celui-là. Attends, ah. C'est très loin là. Je vois pas. Je regarde peut-être pas du bon côté. Au-dessus de celui-là. Recule. D'aussi loin ? Ah purée, je le vois, ça y est. Ah comment je... Ah ! Oh bah purée, la vache ! Eh bah celui-là, franchement, respect. Parce que je l'aurais jamais vu. Non, merci beaucoup, je ne l'aurais absolument jamais vu. À qui on va l'enfiler ? Donc là, normal, y'a rien. Ouais, c'est mon Mimi qui récupère. Oui. Du coup, il se passe les armes. Ah yes. Ah non, quand je dis, je l'aurais jamais vu celui-là. Jamais, jamais. Hein. Merci beaucoup. Bon bah, ça vous va. Ça va la petite sauvegarde dans la ville. Écran bleu. Et je vous envoie de suite sur la chaîne de Ryu. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir suivi. Merci pour les bons conseils. Bah, GG à Niro, hein, parce que franchement, je n'aurais absolument rien vu sans lui. Hein. Allez, lancer un raid. Et... Bon, dès que vous êtes prêts, je vous envoie. Est-ce que ça vous propose... Ouais, bonne nuit à ceux qui bossent, c'est clair. Bonne nuit, Niro. Merci beaucoup pour ton aide. Est-ce que vous avez vu la proposition de raid ou pas du tout? Et parce que tu vas être fatigué. Ah, merci pour ton soutien. Heureusement que je stream pas tous les soirs. Hein. Sinon, imagine. Ah, et bisous toi aussi, Bench. Bonne nuit. Bon, t'inquiète, au moins t'es passé, ça fait toujours plaisir, Bench. Y'a pas de... Parce que là, si je fais lancer un raid, j'ai choisi Ryu. Ah, je fais lancer le raid. Là, vous allez avoir la proposition. Ah, c'est ça, voilà, c'est bon, j'ai la proposition. Donc, si c'est bon pour vous, nickel. Cool. Bon, bah, allez, je lance. Merci beaucoup d'avoir suivi, des gros bisous à tous. Ciao.